amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Nous allons nous intéresser encore et toujours à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus n'est pas close. Tout à fait. Elle n'est pas close. Elle n'était pas close après les différents jugements qui sont intervenus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Elle n'est pas close même après la publication par Maître Adrien Abosy, ici présent, de son premier livre sur l'affaire Dreyfus, où il a démontré définitivement pour les gens objectifs que Dreyfus était coupable. Dreyfus a vraiment trahi, il a vraiment donné des documents confidentiels à l'ennemi allemand, d'où son arrestation en 1894, me semble-t-il. Mm-hmm. Mais alors, l'affaire Dreyfus n'est pas terminée par ce qui arrivait à Dreyfus. Elle s'est continuée par une série d'événements étranges, où elle s'est en parallèle d'ailleurs accompagnée d'une série d'événements étranges, notamment des morts mystérieuses. C'est le sujet du dernier livre de Adrien Abosy, l'affaire Dreyfus, morts mystérieuses et autres crimes, dans aux éditions Estocade. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera les suites de l'affaire Dreyfus, morts mystérieuses et crimes impunis. Alors, je vais faire ce que je ne fais jamais, d'ailleurs, lire intégralement la quatrième de couverture du livre, parce qu'elle est remarquable. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, la quatrième de couverture, c'est la quatrième page de couverture. La couverture à quatre pages, c'est donc le dos du livre. Hein. Alors, voilà ce que nous dit l'éditeur qui, à mon humble avis, a dû être fortement inspiré par l'auteur. Je crois même que c'est l'auteur qui a fait la quatrième de couverture. Ah, je vous révèle les secrets de la boutique. Officiellement, c'est l'éditeur. Voilà, la convention, c'est que c'est l'éditeur qui fait la quatrième de couverture. Donc, quand on lit dans la quatrième de couverture, cet auteur est génial. C'est officiellement l'éditeur qui le dit, alors que ça peut être parfois l'auteur qui se dit de lui-même qu'il est génial. Mais là, voilà donc la quatrième de couverture. L'affaire Dreyfus n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée car sa version officielle, de par son caractère absurde, est un instrument d'humiliation de la France. Dreyfus était bien coupable. Esterhazy était un agent dreyfusard. Picard, un renégat. Bernard Lazare, un corrupteur. Joseph Renac, un mythomane anti-catholique. Tandis que les nombreux officiers français traînés dans la boue étaient bien souvent des hommes d'honneur. Pour mener à bien leur entreprise de subversion, les Dreyfusards n'ont reculé devant aucun moyen illicite. Faux témoignages, fabrique de faux, corruption, voire même homicide. À chaque fois que la mort mystérieuse a frappé dans l'affaire Dreyfus, un personnage gênant pour le syndicat, le syndicat Dreyfusard, a été réduit au silence. Loin de la légende absurde entretenue par les institutions, il y a lieu de croire que le président de la République, Félix Faure, a été assassiné en 1899. L'exposition des moyens employés par le syndicat Dreyfusard suffit à révéler sa nature et ses buts ténébreux. Fin de citation. Alors, ça me paraît bien résumer la chose. Alors, il faut rappeler que l'affaire Dreyfus a été lancée par trois personnes. Un trio constitué de Mathieu Dreyfus, l'un des frères d'Alfred Dreyfus, le capitaine condamné, qui en avait deux autres, Léon et Jacques. Deuxièmement, celui qui a sans doute le rôle le plus important dans le public, c'est Joseph Renac. Ah oui, et troisièmement, Bernard Lazare. Oui. Tous les trois étaient juifs, et Bernard Lazare a écrit un livre fort intéressant d'ailleurs sur l'antisémitisme et ses causes. Voilà, le trio en question donc, a lancé l'affaire Dreyfus, mais ensuite, évidemment, celle-ci a pris des dimensions absolument considérables et est devenue un sujet politique essentiel pendant des années. Alors, nous allons nous intéresser donc aujourd'hui aux morts mystérieuses. Et nous allons commencer par une mort mystérieuse, bien qu'officiellement elle ne soit pas mystérieuse, qui est celle du président de la République française, Félix Faure. Alors, Félix Faure était anti-Dreyfusard. Oui.
Il ne croyait pas du tout à l'innocence de Dreyfus, et donc il n'avait aucune intention de pousser la roue pour une révision d'un procès qui ne lui paraissait pas du tout avoir été mal conduit. Donc il était gênant pour le syndicat de Dreyfusard. Tout à fait. Et Félix Feur était marié, mais il était, mais il avait une maîtresse. Une maîtresse qui était une femme dénommée, qui était aussi mariée d'ailleurs, Marguerite Senel, ou Steinheil. Une demi-mondaine, comme on disait autrefois. Une demi-mondaine qui avait un mari, elle était née Japy, elle avait un mari qui s'appelait... Mais Steinheil, justement. Steinheil, qui était peintre. Et je ne sais pas s'il était compréhensif, mais en tout cas, elle avait énormément... Il était compréhensif parce qu'elle lui ramenait des clients. Donc elle a eu quantité... Dans les réseaux mondains, en fait, elle allait chercher des clients. En fait, elle a eu quantité d'amants, notamment Aristide Briand, j'ai vu ça dans votre livre. Oui. Et le roi du Cambodge, etc. etc., etc. Donc, ça, bon, je ne savais pas. Bah, quand on voit pourtant son portrait, je trouve qu'elle n'était pas si extraordinaire que cela. Bah, quand vous regardez les actrices de cinéma de l'époque, on voit qu'il n'y avait pas les mêmes canons de beauté qu'aujourd'hui, quand même. Hein. Généralement, c'était... Voilà. Peut-être beaucoup de charme. Bon, sans doute. Peut-être qu'Athlon arrive à avoir la beauté intérieure, contrairement donc, à vous. Voilà. L'histoire est la suivante. Ce jour-là, donc, c'était le. Exactement. Le 16 février 1899. 16 février 1899, mort de Félix Faure, président de la République à l'Élysée. Donc Félix Faure a reçu successivement. Le cardinal archevêque. Oui, Ricard ou Richard, je ne sais plus. Oui, ensuite le prince de Monaco, oui. Qui venait le voir pour lui demander de prendre le parti de Dreyfus, de l'innocence de Dreyfus. Ce qui est quand même assez dingue. Et enfin. Marguerite Senel, sa maîtresse. Alors là, il y a plusieurs versions. Vous me permettrez, notre ami Adrien Bozzi sera choqué, mais il va fermer ses oreilles pendant quelques temps. Mais je vais rappeler quelques blagues qui ont été faites à l'époque, notamment par le vilain Clémenceau qui a dit de Félix Faure, il voulait être César, mais il a fini Pompée. Et ensuite, lors de l'enterrement de Félix Faure, on a parlé de pompe funèbre. Oui. Voilà. C'était je ne comprends pas le jeu de mots, moi. Non, mais personne ne comprend, mais entendez. Oui, personne ne comprend. Donc, alors, la version officielle, dans un communiqué signé par 5 médecins, c'est qu'il a eu une apoplexie ou une hémorragie cérébrale. Donc, un AVC, on dirait aujourd'hui. Oui, voilà, c'est un accident cardiovasculaire. Une accumulation de sang qui arrive dans le crâne et qui, en fait, Un accident cardiovasculaire, vasculo-cardial. Mais c'est ça, ou AVC, On dit AVC, bon. Et donc, l'ennui, c'est que ça ne correspond pas du tout à la description de sa mort, qui a duré des heures, et semble-t-il, aux soins qui lui ont été prodigués. Alors, l'autre version, c'est qu'il a été empoisonné. Empoisonné par qui ? Par sa maîtresse. Marguerite Steinheil, qui aurait, alors, ce n'est pas l'hypothèse que vous retenez, parce que vous imaginez, ce qui me paraît un peu tiré par les cheveux, cher Adrien Bozzi, qu'elle lui aurait fait une piqûre dans la nuque. Moi, je crois qu'il est plus probable qu'elle lui aurait donné un aphrodisiaque, car cet homme très occupé, qui avait quand même plus de 50 ans, avait besoin de se remonter avant ces échanges. Attendez, c'était à l'Elysée. Moi, j'ose pas croire qu'il commette ce péché mortel-là à l'Elysée. Selon certaines versions, quand... Quand elle a appelé au secours, il était dévêtu et elle aussi. Hein, donc, ça c'est pas vrai ça. Bon, enfin, on va y revenir. Non, en tout cas, ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'elle lui a apporté un aphrodisiaque qui était en réalité un poison, peut-être un mélange de poison et d'aphrodisiaque, et c'est ça qui l'a tué. Donc c'est elle l'assassin. Et alors, il faut immédiatement passer un procès qui a suivi en 1908. Donc 9 ans après. Une histoire extraordinaire, étrange. La même Marguerite Steinheil a été retrouvée chez elle, ligotée. Oui, saucissonnée, oui. Saucissonnée, à côté de son mari, qui était étranglé, et de sa mère, qui était étranglée. Bon. Et alors, on a fini par penser qu'elle était complice de l'assassinat, parce qu'on se demandait pourquoi elle aurait été épargnée. Bon. Qu'elle aurait voulu se débarrasser de son mari, de sa mère, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas de son mari. Et elle a été donc poursuivie en justice pour complicité d'assassinat. Et elle a fini par être, bien que la conviction générale était qu'elle était complice de l'assassinat, tellement ses propos étaient incohérents et contradictoires,
Elle a été acquittée, faute de preuves, ce qui paraît d'ailleurs assez légitime, parce qu'on n'a jamais eu de vraies preuves de sa complicité. Mais je trouve quand même que ce rapprochement est saisissant. 9 ans après, la même personne est compromise dans une affaire scabreuse où vraisemblablement elle a été complice d'un assassinat. Donc, qui a tué tuera, qui a assassiné assassinera, on peut penser que ce rapprochement est une présomption supplémentaire en faveur de la thèse de l'assassinat. Adrien Bozic. Alors, mon cher Henri de Lesca, comme vous le savez... Vous n'êtes pas avocat de la défense de Mme Stenel, hein ? Non, pas tout à fait. Là, je suis plutôt procureur, là, ce soir. Là. je change de métier, là, vous voyez. Donc, vous savez, mon cher Henri, que 3 présidents de la 3ème République ont été assassinés. Alors, j'en connais... En comptant Félix Faure. Hein. Félix Faure, s'il a été assassiné. Avant, il y a eu Sadi Carnot. Oui. Tué par un anarchiste, et puis il y a eu le Paul Doumer, l'excellent Paul Doumer, qui a été assassiné par un nommé Gorgulov, si je me rappelle bien. Voilà, tout à fait. 3. Mais bon, avant les présidents de la République, d'ailleurs, il y a eu Henri IV qui était assassiné par Ravaillac, vous savez. Oui, Henri III aussi. Henri III comment s'appelait-il déjà ? Clément. Oui, c'est ça, Clément. Clément. Et également une tentative d'assassinat par Damien de Louis XV, Damien qui a été écartelé sur la place de la Concorde, ce qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde. Et il y a eu la mort accidentelle de Henri II aussi, dans un duel, qui s'est fait arracher la mâchoire. Ça, c'est pas un assassinat. Non, mais bon, c'est une mort violente. Une mort violente, ce n'est pas un assassinat. Ça picote, quoi, oui. Donc, les présidents, les chefs de l'État français se font régulièrement assassiner, ce qui arrive aussi aux Américains, comme à Kennedy. Citons, cher Henri de Lesquin, une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée dans le journal L'Intransigeant, écrit par un parlementaire qui a écrit sous pseudonyme. Alors, qui n'existe plus, hein, le journal L'Intransigeant. Tout à fait. Le crime politique ne peut étonner que ceux qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire, voyez. Alors, c'était le journal d'Henri Rochefort. Henri Rochefort est un personnage assez curieux. Très curieux. Communard, d'extrême gauche, etc. Mais qui a fini anti-Dreyfusard, contrairement à toute attente. C'est le boulangisme qui l'a fait basculer de un peu... qui a été le point de transition, je dirais, vers la droite. Voilà. Alors, Félix... Et il écrivait très bien. Donc, alors, en dehors de ces présomptions que j'ai tirées du rapprochement entre l'affaire de 1899, mort de Félix Faure, et l'affaire de 1908, oui. Mort du mari de sa maîtresse, Marguerite Stenel-Néjapi, vous avez une série d'arguments très, très, très persuasifs. Alors, permettez-moi de commencer par une petite citation de Drummond au sujet de Félix Faure. Il fut un homme... Édouard Drummond. Tout à fait. Oh, bah, j'ai pas besoin de préciser à cette antenne. Auteur de la France juive. Voilà. Notamment. Il fut un homme, il eut les faiblesses et les vanités d'un homme, mais il fut aussi un vrai Français. C'est peut-être de cela qu'il est mort. C'est très beau. Alors, au passage, évidemment, Édouard Drummond n'a pas très bonne réputation, parce qu'il était un peu obsédé par les Juifs, il en disait beaucoup de mal, mais... objectivement, c'est un écrivain remarquable. C'est un des meilleurs écrivains français en prose. Il écrit admirablement. C'est un prosateur. Un prosateur admirable. D'accord. Sur le plan littéraire, dans les Lagardes et Michard, si ça existe encore, on devrait mettre des citations de Drummond. Je vous en ferai une autre tout à l'heure de citation qui est. De Drummond. Il avait de l'humour aussi. Vous allez voir. Non, mais il écrivait très bien. Donc. Alors, il avait un journal qui s'appelait La Libre Parole. Tout à fait. Alors, je précise que avant moi-même... L'exergue était la France aux Français, si je me souviens. Tout à fait. C'est eux qui ont inventé la formule. Mais me semble-t-il. Ce qui est une formule, à mon avis, incontestable. La France aux Français, évidemment. Oui, c'est le bon sens. Alors, avant moi-même, deux auteurs ont étayé la question de l'assassinat de Félix Faure. Donc, il y a, dans les années 20-30... Albert Moniaud, qui était un journaliste de La Libre Parole également, parce qu'ils ont bien creusé le dossier, il faut le dire. Et l'autre, c'est un auteur des années 80, André Galabru, qui a fait un très bon livre, qui s'appelle justement L'assassinat de Félix Faure. Voilà. Dont j'ai pas mal puisé, je le reconnais volontiers. Donc quand on parle... Oui, non, mais vous le citez tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous le citez largement. Oui, oui, oui. Non. J'essaie de rendre à César, comme on dit. Et alors, donc, il faut bien comprendre que, concernant la mort de Félix Faure, il y a 3 versions. Il y a la version officielle, telle qu'elle résulte, de l'époque, l'apoplexie foudroyante, il y a la version qu'on va les qualifier de romanesque, qui est devenue celle qu'on voit dans les séries, etc. C'est-à-dire, quelle est c'est celle liée au mot que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Parce que vous avez la version romanesque, c'est-à-dire que
Qu'il est mort dans les bras de sa maîtresse. Voilà. Il serait mort dans les pectas, en quelque sorte. Voilà, voilà. Il serait mort dans les bras de sa maîtresse. D'un excès de plaisir, quoi. On va dire ça comme ça. C'est ça la version. Et il y a la version factuelle. Alors, Félix Faure, d'abord, précisons, mon cher Henri, c'est un il vient d'un milieu relativement modeste. Il est négociant de cuivre au Havre. Et il était franc-maçon, donc ça lui a permis de gravir quand même quelques échelons. Il devient ministre de la Marine en 1894. Et à la surprise générale, il est élu président de la République en 1895. Alors, a priori, idéologiquement, on aurait dit qu'il est plutôt Dreyfusard d'eau compatible. Sauf qu'il est très attaché à l'armée. Et il avait l'intime conviction que Dreyfus était coupable. Alors, en raison de son positionnement, il se savait menacé. On a retrouvé une lettre de lui, écrite quasiment la veille de sa mort, écrite à sa maîtresse. Et il évoque qu'il se sent menacé. Il dit qu'il craint que sa relation avec Marguerite Steinheil lui soit fatale. Sa liaison, relation, c'est du oui, sa liaison, sa liaison. Du franglais. Autant pour moi, autant pour moi. Relation, voilà. Donc sa liaison lui soit fatale. Il avait raison. Et surtout, donc, il dit qu'on a fouillé dans ses papiers. Et il dit qu'on lui a volé un projet de déclaration. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On y arrivera plus loin. Il faut savoir également, mon cher Henri de Lesquin, et ça c'est André Galabru qui a trouvé le document, qu'il y avait une taupe à l'Élysée. Puisque André Galabru a retrouvé un télégramme envoyé depuis l'Élysée, en date du 18 décembre 1897, qui disait ceci. Attendez, est-ce que je vais vous le retrouver? Oui, envoyé à 2h25. 2h25 du matin. Alors, c'est là qu'on voit le charme de l'époque. Voyez Zola immédiatement. Dites-lui. Émile Zola. Éditeur Word assure paiement de la somme qu'il demanderait, quelle qu'elle soit. S'il veut aller à la Guyane et s'assurer par lui-même de la situation du capitaine, Word croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait. Word. C'est étrange, hein. Ah, c'est plus qu'étrange. Word paiera les dépenses d'une publicité qui sera universelle, succès presque certain. Accusé réception par télégramme de ce message. Faites connaître au plus tôt également la réponse de Zola à TUOI, Warwick Gardens, signé Sphere. Étrange tout de même, hein. Et on voit que au passage, si le document est authentique, c'est quand même très bizarre. Il est authentique, et j'observe, mon cher Henri de Lesquin, que les historiens de Dreyfusard se gardent d'en parler. Et c'est pas il ne seul. Parle pas de ce qui les gêne. C'est systématiquement, hein. Il passe systématiquement sous silence les pièces qui les dérangent et les faits qui les dérangent. Et à l'inverse, ils retiennent tous les faits les plus aberrants et les plus évidemment contraires, je dirais, à la réalité. Bon. Donc, Félix Faure se sait menacé. Nous arrivons au jour fatal, le 16 février 1899. Autant pour moi. Vous faites bien préciser. Parce que le 19e siècle, il faut. Avec TikTok, il vaut mieux préciser pour certains, effectivement. Vous avez raison. Donc, Félix Faure a ses premiers malaises à 17h. 5 heures plus tard, voire 5h30 plus tard selon d'autres, il meurt d'une apoplexie foudroyante. Foudroyante qui dure 5 heures. Tiens, tiens, déjà, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, hein. Alors, que se passe-t-il? Donc, à 17h, il reçoit dans son cabinet sa maîtresse, qui part assez rapidement, puisque une heure plus tard, on sait qu'elle sera à son domicile. Félix Faure commence à avoir ses premiers malaises et il appelle son directeur de cabinet qui s'appelle Le Gall. Et c'est là qu'il évoque justement une douleur à la nuque qui lui provoque des éblouissements. Le Gall l'aide à s'asseoir et il va chercher un médecin, ça tombe bien, il y a un médecin qui est de visite à l'Élysée. Et ensuite, cinq médecins vont se succéder pour essayer de le guérir, quoi. Félix Faure sent venir sa fin et il demande, tout franc-maçon ou ex-franc-maçon qu'il était, il demande à recevoir les sacrements. Au moment de ces derniers instants, on peut avoir un retour tout à fait. Du religieux. Il y a une grâce. Voilà. Et il demande à ce qu'un prêtre lui donne l'absolution. Et malheureusement, il n'a pas eu l'extrême-onction parce que le prêtre en question n'avait pas les saintes huiles. Tout à fait, tout à fait. Alors que se passe-t-il? On envoie les gardes républicains, et ça tombe bien, et, dans la rue proche, de l'Élysée, enfin oui, dans le faubourg Saint-Honoré, je crois, hein, la rue où il y a l'Élysée,
il y a un prêtre qui passe voir sa famille. Je rappelle pour les jeunes gens qu'à l'époque, jusqu'à Vatican II, non compris, les prêtres étaient tous en soutane. Voilà, on les reconnaissait noir, plus facilement. C'est facile de les reconnaître. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu sauver Félix. On n'aurait pas pu sauver son âme. Bon, bref. On n'aurait pas pu sauver son âme. Enfin, on n'aurait pas pu l'aider à sauver son âme. Voilà, tout à fait. Parce que l'intention était quand même là. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, on trouve un abbé, donc l'abbé Renaud. Et donc, précipitamment, donc, il va à l'Élysée et il nous raconte ce qu'il voit. Il va donner son témoignage de ce qu'il voit. Et donc, que voit-il quand on entre dans son cabinet? On voit qu'on a mis un matelas par terre avec Félix Faure dessus. Et que voit-il? Alors, peut-être qu'on va faire la citation de l'abbé Renaud, ça sera peut-être plus simple. Il était en train d'agoniser, ouais. Tout à fait. Et ce sont les détails qui sont troublants pour les gens, pour les profanes de la médecine comme nous, en tout cas par rapport à la médecine de l'époque. Donc, il nous dit, un médecin... Alors déjà, il nous précise bien, un matelas placé à terre sur lequel il y avait donc le président en gilet de flanelle. Donc il nous dit, un médecin tentait la respiration artificielle au moyen de tractation rythmique de la langue. Et je rappelle qu'il y avait 5 médecins autour de lui. Je remarquais qu'on avait essayé... Il fallait tirer la langue pour la respiration artificielle, c'est bizarre. Ah ben c'est les pratiques de l'époque. Ouais. Je remarquais qu'on avait essayé par tous les moyens de conjurer le danger en posant, écoutez bien chers amis, en posant des sangsues. Et des, c'est la médecine de Molière, les sangsues. Et hein. Des vésicatoires en opérant des saignées et en faisant des injections de sérum. Et une nuit après, je m'asseyais près du matelas, à droite du moribond, auquel je donnais l'absolution in extremis, Dieu merci. Et puis il est mort aussi, je crois, en disant « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, etc. » Enfin, c'est quand même pas mal de finir comme ça. Voilà. Et tout ça a duré 10 minutes. Hein. Bon. Alors, arrêt sur image. Félix Faure est en train d'agoniser. Et que voit l'abbé Renaud? Il voit des tractations de la langue, des sangsues posées sur le corps de Félix Faure, des vésicatoires. Alors les vésicatoires, c'est ce qui faisait que... Des choses qui faisaient qu'on mettait des... Ça vous faisait des ampoules. Et ces ampoules, en fait, dégageaient du corps la substance qu'il y avait dedans. Hein. Donc des sangsues, des vésicatoires, des saignées, injections de sérum. Les sangsues, c'est pour... retirer le sang qui est, comment dire, contaminé. Les vésicatoires, c'est aussi également pour faire sortir les substances toxiques qu'il y a dans le sang. Les saignées, c'est toujours pour évacuer le sang toxique, voilà, pour purger. Et le sérum, c'est fait pour diluer ce qu'il le y a. Le poison. Voilà, le poison. Or, toutes ces thérapeutiques, toutes, à l'époque, étaient utilisées en cas d'empoisonnement. Ce qui veut donc dire que les 5 médecins ont diagnostiqué qu'il y avait eu un empoisonnement. Pourquoi a-t-il fait une déclaration contraire disant que c'était une apoplexie, une attaque? C'est pas la première fois que dans l'affaire Dreyfus, on fait dire à des gens l'inverse de la réalité. Et d'autant que le lendemain de la mort, un médecin va déclarer dans la libre parole, excusez-moi, je ne sais plus à quelle page c'est, peut-être page 48, donc il va déclarer ceci, étant donné que la mort n'a pas été foudroyante, qu'il n'y a pas eu de perte immédiate de conscience, on ne peut pas s'arrêter au diagnostic d'apoplexie classique. Donc ça veut dire que le diagnostic était toute évidence faux. Par ailleurs, toujours dans la libre parole, quelques années plus tard, un autre médecin va témoigner et il va dire que l'injection de sérum est contre-indiquée en cas d'apoplexie foudroyante. Pourquoi? Parce qu'en cas d'apoplexie, il y a plus de liquide, entre guillemets, si je peux exprimer ainsi, qui vient dans le cerveau. Donc si vous mettez du sérum, vous mettez encore plus de liquide. Donc c'est contre-indiqué en cas d'apoplexie. Donc les médecins ont menti. Ils ont menti. Citation. Si on fait une injection de sérum au président, cette injection n'avait sa raison d'être qu'autant qu'on avait acquis la certitude d'un empoisonnement. L'injection de sérum est toujours indiquée dans le cas d'intoxication car elle lave le sang et dilue le poison. Jamais il ne viendrait à l'idée d'un praticien de faire une injection de sérum dans un cas d'hémorragie cérébrale. Je dis cérébrale, entendons-nous bien. En effet, le vaisseau qui se rompt par suite du mauvais état des tuniques qui le constituent ne peut résister à la pression intime que le sang exerce sur ses parois. En injectant du sérum, vous augmentez cette pression. Vous augmentez aussi la quantité de liquide épanché. Vous voyez ici le résultat d'une pareille intervention. Voilà. En outre, mon cher Henri Desquin, il y a d'autres choses un peu bizarres. Tout d'abord, le lendemain de la mort, le médecin qui suivait Félix Faure, et qui d'ailleurs était là au dernier moment, le docteur Alan Long, déclare au Figaro que Félix Faure était en excellente santé. Il y a d'autres témoignages en ce sens, par ailleurs. Ensuite,
deux événements étranges. On ne fait pas d'autopsie. Ça, c'est quand même curieux. Hein. Alors que pour Sadi Carnot, mort poignardé, et dont la cause de la mort ne faisait aucun doute, on a fait une autopsie. Alors on se demande pourquoi, parce que là, la cause de la mort ne faisait aucun doute. Voilà. Sadi Carnot. Deuxième fait bizarre, il y avait une prescription légale de 24 heures avant l'embaumement du cadavre. Or là, on n'a pas respecté le délai légal et on l'a immédiatement embaumé, et c'est un non-professionnel de l'embaumement qui l'a fait. C'est quand même curieux. Donc, de toute évidence, les autorités ont cherché à masquer la cause. Alors, les autorités, qui le président du conseil Mon cher Henri de Lesquin, on en reparlera avec les dépêches Panizzardi. Ce qui est frappant dans l'affaire Dreyfus, c'est qu'il y a un dysfonctionnement permanent des institutions. La dépêche Panizzardi, nous en parlerons plus tard. Ouais. Tout à fait. Il y a un dysfonctionnement permanent. Rappelez-vous aussi le cas Pommier, vous vous souvenez, cet Alsacien, dont on envoie la préfecture le chercher, et la préfecture ment. Elle fait un faux rapport pour dire qu'il n'est pas à l'adresse en question, alors qu'en fait, il était encore. Alors qu'en fait, il était. Vous voyez ? Ouais. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est un dysfonctionnement constant des institutions. Vous voyez ? Je pourrais en parler aussi, parce que moi, j'étais confronté. Alors, il y a, si vous voulez, dans ce cas, ouais. J'ai deux hypothèses, l'incompétence et... Oui, mais l'incompétence qui... Et la mauvaise foi. L'incompétence qui fait mouche et qui fait des frappes chirurgicales à chaque fois et toujours dans le même sens, ça commence à être étrange, vous voyez. Ouais, c'est moment, voilà, faut pas nous prendre trop pour des gogos. Alors, donc on peut conclure que, selon toute vraisemblance, Félix Faure est assassiné et qu'on a voulu cacher cela parce que je suppose que les autorités de l'époque, donc le président du conseil, apparemment c'est lui qui avait la main sur le pouvoir après la mort de Félix Faure, ont voulu cacher cela. Mais c'était reconnaître la culpabilité de Dreyfus. Ont voulu cacher cela en inventant une fausse raison à sa mort. Au lieu de dire qu'il avait été empoisonné, ce qui aurait amené dire, à poursuivre Marguerite Steinheil, et ce qui aurait fait un beau scandale. Quoi. Alors, permettez-moi un mot sur le mobile rapide. Il s'avère que... Non, le mobile est essentiel, parce que c'est là que c'est ce qui nous ramène à faire Dreyfus. Tout à fait. Alors, en fait, Félix Faure avait parfaitement conscience de ce parasitage, justement, des institutions par le syndicat, les Dreyfusards, etc. Et donc, il avait fait, avec l'armée et des roulades, Tout à fait. Le nationaliste bien connu. Il avait fait un projet de réforme. Un peu emphatique. Hein. Il avait fait un projet de réforme constitutionnelle, on appréciera l'euphémisme, qui, citation, nécessitait une petite opération de police le lendemain d'une fuite provoquée du ministère. Alors écoutez, oui. Là je vous arrête parce que cette thèse me paraît. N'oubliez. Possible, mais non certaine, et je fais une confiance limitée au dire de Desroulettes. Ah non, mais attention, il n'y a pas que Desroulettes qui le dit. Non. Rappelez-vous la lettre qu'on a retrouvée. Non, attendez, Charles Desquin, écoutez-moi. Rappelez-vous la lettre qu'on a retrouvée de Félix Faure à Mark Shannon. Il évoque qu'on lui a volé son projet de déclaration. Non, mais le mobile essentiel qui est que Félix Faure allait s'opposer à la révision de l'affaire Dreyfus. Oui, mais c'est la même chose. Hein. À l'aboutissement. Non, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus limité. C'est-à-dire que c'est sur le. Félix Faure aurait empêché la révision et le scandale final de. Et il y a un dernier mot à dire là-dessus. De l'acquittement de Dreyfus dans des conditions scandaleuses par la Cour de cassation. Hein. Et donc précisons que qui va être élu après Félix Faure, c'est le fameux Émile Loubet, avec notamment l'influence de Clémenceau là-dedans. Clémenceau qui était abject hein, d'ailleurs, il a eu des mots abjects sur Félix Faure quand il est mort. Il a dit c'est une place à prendre, mais c'est pas un homme de moi. Enfin, en substance, il avait dit un truc comme ça. Et il n'a pas respecté la formule des morts, il ne faut dire que du bien. Voilà, des mortuis, ni il, ni si bene. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, rappelez-vous, chers amis, que Dreyfus va être condamné. Alors, il est condamné en 1994, la Cour de cassation casse une première fois le jugement, et il est recondamné au Conseil de guerre de Rennes. Et là, que va-t-il faire pour sortir de prison? Il va demander une grâce qui va lui être donnée par Émile Loubet. Grâce que n'aurait pas donnée Félix Faure. Et Loubet était honni par les journalistes de la Libre Parole, parce que la Libre Parole s'est engagée très fortement dans le scandale de Panama, et surnommé Loubet Panama Premier, et il y a un article de Demont que j'ai trouvé. Alors, ce qu'on appelle là, c'est encore une autre affaire que l'affaire Dreyfus, c'est une affaire de corruption de députés. Tout à fait. Et quand il parle de Loubet, il dit « Émile Loubet, virgule, d'excrémentielle mémoire ». Et je vous avoue que ça m'a fait rire. Voilà. Ah là, ça on peut dire. Donc voilà pour Félix Faure. On peut essayer de fermer avec beaucoup de. On peut dire
Valéry Giscard d'Estaing, d'excrémentielle mémoire. Ah bah ça, il y a eu des bons successeurs. François Mitterrand, d'excrémentielle mémoire, etc. Bon, hein. Moi, j'aurais dit tous les présidents de la 5e République, hein, nous à moi. Mais bon. De Gaulle, de compris. Ah oh, bon, moi, je le mets dedans, moi. Je suis un peu raide, moi, vous savez. Voilà. Donc, un mot rapide, éventuellement, sur les autres morts, mon cher Henri Lescaut. Alors, non, l'affaire Félix Faure, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, le motif, le mobile... peut clairement être attribué au camp de Réfusard, ou au syndicat de Réfusard, comme vous voulez l'appeler, oui. Qui a voulu se débarrasser de quelqu'un qui empêchait l'aboutissement, la réussite de son projet, qui était... C'était un obstacle dans les institutions. C'était l'obstacle. Oui. Quant à l'hypothèse de Déroulède, selon laquelle Félix Faure a voulu faire un coup d'État, ça me paraît tout à fait fantomatique et je ne suis pas du tout convaincu. Alors, n'oubliez pas, pour terminer là-dessus, que Déroulède a tenté un coup d'État pendant les funérailles de Félix Faure. Oui, donc je n'exclus pas qu'il ait voulu réactiver, en désespoir de cause, un projet. C'était un personnage sympathique, mais un peu halluciné. C'était un personnage sympathique et il est passé devant la haute cour. Et franchement, les extraits qu'il y a devant la haute cour, mais c'est exceptionnel. On peut en faire une pièce de théâtre. Hein. Ah ouais. Il notifie son mépris au juge, où le juge dit « je vous demande de vous arrêter ». Il répond « je suis déjà arrêté enfin, ». Bon, c'est des trucs tout bêtes comme ça, vous voyez, mais il a une répartie exceptionnelle. Quoi. Vraiment, c'est, j'aurais dû venir avec des extraits du procès. C'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Donc, vraisemblablement... tout porte à penser que Félix Faure, président de la République, a été assassiné le 16 février 1999. Et je pense que tout porte à penser que l'assassin, c'est sa maîtresse, Marguerite Steinheil, née Japy, qui a dû lui donner un aphrodisiaque qui était en réalité un poison. Oui. Et précisons que le général Étienne, le père des chars, affirme avoir eu accès à des secrets d'État et... qui mettait en cause justement la mort de Marguerite Steinheil, dans la mort de Félix Faure. Voilà, donc il y a beaucoup, vous donnez énormément d'informations oui. qui concourent à cette conclusion. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous continuez après la mort de Félix Faure par une série de morts mystérieuses. Oui. Alors là, c'était au moins 5, je crois. Oui, et puis plus une tentative d'assassinat. Alors déjà, précisons une chose. Pour revenir un bref instant sur Panama, parce que j'ai un peu potassé le dossier. C'est hors sujet. Pas tout, non, parce qu'il y a Reinach. Le lien, c'est Reinach. Et le beau-père de Reinach... Attendez, rappelons que Panama... Attendez, alors il faut rappeler ce que c'est. Panama, c'est le canal de Panama. Et Ferdinand de Lesseps, qui avait oui. fait le canal de Suez, a voulu refaire son coup à Panama, et ça a été un fiasco. Tout à fait. Le canal de Panama sera fait plus tard, je crois, par les Américains. C'était un fiasco financier. Et alors, l'entreprise de Lesseps avait besoin d'argent, donc elle a emprunté... Et il fallait une loi, à l'époque c'était une loi et pas un décret, une loi donc une loi votée par le Parlement, par la Chambre des députés comme on le disait à l'époque, et le Sénat, pour autoriser l'émission des obligations. Bon. Et alors, pour que cette loi fût adoptée, un certain nombre de députés ont reçu de l'argent, des chèques. Les chécards. On les appelait les chécards, ils ont reçu des chèques. Ça a beaucoup de charme. Les chécards de Panama. Entre parenthèses, par rapport au scandale de corruption que nous avons connu depuis, c'est assez epsilonesque, parce que c'était simplement un peu d'influence pour autoriser des obligations. Il faut croire que la morale publique avait un seuil de tolérance moindre à l'époque. On a fait bien mieux depuis, hein, vraiment. Hein. C'est sûr. Hein. Mais alors donc, vous disais-je, dans ce scandale-là, le beau-père de Joseph Reinach, qui avait trempé dans la combine, avait commandité un assassin pour tuer un maître chanteur, un escroc, qui s'appelait Cornelius Hertz. Donc, ça veut dire que ces pratiques étaient en cours à l'époque. Hein. Cornelius Hertz, c'était la cheville ouvrière du scandale de Panama. C'était l'un des agents de liaison avec les... d'ailleurs, qui était le mécène de Clémenceau, je le dis en passant. Hertz. Oui, c'était le mécène de Clémenceau. On en reparlera, parce que je vais rééditer un livre anti-Clémenceau, j'espère, dans quelques mois. Et effectivement, oui, ça a été une des chevilles ouvrières de ça. Mais c'est assez drôle, hein, Panama, il y a des trucs marrants quand même. Hein. Mais c'est une autre affaire. Et on reparlera de Drummond et de la libre-parole qui, à l'époque, ont beaucoup travaillé sur la question. Alors, 5 morts, mon cher Henri de Lesquin. Donnez les noms tout de suite. Alors, tout d'abord, le député Cholin Servinière. Député écrasé par un train. Dans des circonstances sur lesquelles on reviendra rapidement, si vous le voulez bien. Oui. Ensuite, le commandant Dattel. Alors là, on ne peut même pas dire dans quelles circonstances. On sait, citation, il était vert comme un réverbère, comme a dit un témoin. Mais il n'y a pas eu d'autopsie. Ensuite,
Alors, tentative d'assassinat sur le ministre de la guerre, Krantz, qui a été empoisonné. Mais qui n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, mais toute sa famille a été empoisonnée. Voilà. Ensuite, le préfet Laurenceau. C'est pareil, mort foudroyante dans un hôtel à Paris. On ne sait pas de quoi. On ne précise pas. Et ensuite, alors il y a le suicide au gaz de Siffton, l'homme qui avait dénoncé l'affaire des fiches. Et ensuite, il y a la pendaison de Le Mercier Picard, donc de son vrai nom c'était Moïse Lehmann, c'était un faussaire israélite multirécidiviste, qu'on a retrouvé pendu à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Quoi, en gros, voilà. Alors attendez, parce que j'explique. Vous avez, à côté de l'affaire Dreyfus elle-même, cité l'affaire de Panama, qui était un peu antérieure, me semble-t-il, et l'affaire des fiches. L'affaire des fiches, c'est 1904. Oui. C'est la révélation par un député du fait que le ministre de la guerre, comme on appelait à l'époque le ministre des armées, le général André, qui était franc-maçon, avait monté avec le Grand Orient de France, donc la Grande Obédience maçonnique, un système de fiches pour tous les officiers, en tout cas pour beaucoup d'officiers, et on notait dans ces fiches s'ils allaient à la messe ou pas, et d'ailleurs on disait avec ou sans missel. Parce que celui qui va sans missel, on peut le dire, là, il se sent forcé d'accompagner sa femme, mais s'il va avec un missel, ça aggrave son cas. Et donc le système de fiches permettait de faire avancer dans l'armée les francs-maçons, et au contraire d'empêcher l'avancement des bons catholiques, ce qui s'est traduit d'ailleurs par les grandes déconvenues que l'armée française a connues en 1914. Il faut se rappeler qu'en 1914, lors du début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, le futur maréchal Pétain était colonel en retraite. C'est quand même inouï, alors que c'était un des meilleurs officiers de l'armée française. C'est le grand héros de... Ouais, mais il avait été mis à la retraite comme colonel. Tout ça parce qu'il n'était même pas très catholique, il était plutôt... On va y revenir. Mais il était ami de la droite, ami des catholiques, il n'était pas franc-maçon. À l'époque, il n'allait pas à la messe, mais il a été interrogé pendant l'affaire des fiches. Et quelle était sa réponse? Quand on lui demandait s'il voyait tel ou tel officier à la messe, il disait « Je ne sais pas, je ne les vois pas, je suis au premier rang ». Ce qui n'était pas vrai, mais c'était bien, c'était un homme d'honneur. Voilà. C'est-à-dire, en gros, je n'ai pas balancé. Voilà. C'est un homme d'honneur. Le maréchal Pétain était un homme d'honneur. Voilà. Et d'ailleurs, les militaires de l'époque étaient des hommes d'honneur, et cette notion s'est totalement perdue aujourd'hui, vous voyez. Et moi, ce qui m'a choqué... Pas totalement, nous sommes là, nous sommes tous des hommes d'honneur. Ouais, nous sommes d'accord. Mais disons, voilà, dans les postes en question... C'est pour ça que nous sommes ici, d'ailleurs. Au niveau du pouvoir, voilà, quand on voit tous ces gens qui ont tous ces scandales, un ministre de la Justice, par exemple, et qui ne démissionne pas, vous voyez, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout ça, mais... Ce qui m'a choqué aussi dans l'affaire Dreyfus, mon cher Henri de Lasquin, pourquoi j'ai fait ce livre, c'est parce que j'étais outré que des hommes d'honneur soient diffamés, soient calomniés, vous voyez. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre-là. Mais alors, restons un instant, si vous voulez, sur l'affaire Siffton. Donc, le scandale éclate à l'Assemblée nationale, enfin, on disait à l'époque à la Chambre des députés, grâce à un député qui s'appelait Jean Guyot de Villeneuve, dont nous saluons la mémoire. Après plusieurs jours de débat, le général André finit par reconnaître les faits, et que se passe-t-il, chers amis? Siffton, qui était donc un député nationaliste à la Chambre, descend. Imaginez la scène aujourd'hui, quand même. Imaginez la scène aujourd'hui. Il descend, donc il était en haut de l'Assemblée, il descend, pop. Il s'approche du ministre général André, et que fait-il? Il le gifle. Boum! Il lui met une tarte. Voilà. Exactement. Une tarte, toujours prêt. Une claque, une grosse claque. Donc, on imagine mal la scène aujourd'hui. Pas dans une cour d'école, hein. Mais on sent l'âme française outrée, vous voyez. Et on peut dire que le général André avait mérité plus qu'une claque. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il aurait mérité, parce que c'était... Alors, je ne sais pas si le code pénal avait prévu ce genre de choses, mais on aurait pu dire abus d'autorité, il aurait mérité la prison. Hein. Tout à fait, c'est le mot qu'on puisse dire. Et alors donc, quelques jours plus tard, Siffton doit passer devant la cour d'assises, et que se passe-t-il? On le retrouve, entre guillemets, suicidé chez lui, parce qu'il y aurait eu un problème de gaz avec sa cheminée. C'est un classique, quand même. Hein. Alors, pas suicidé, mort accidentellement, non? On a dit suicide. Bah, oui, voilà, c'était entre les deux, quoi. Voilà. Parce qu'on a dit qu'il y avait eu des soi-disant scandales. Alors, chers auditeurs de Radio Sénat, n'oubliez jamais qu'une bonne partie des assassinats qui sont commis restent inconnus. Ils sont classés officiellement comme suicide, comme accident ou comme maladie. Hein. Il ne faut pas trop dire ça, parce que tu ne faudrais pas inciter les gens à commettre des assassinats en disant que ça passera inaperçu. Ça ne passe pas toujours inaperçu, heureusement, mais assez souvent. Voilà, donc on classe. Surtout si vous avez quelqu'un qui se portait très bien et tout d'un coup qui meurt et sa femme se précipite pour le faire incinérer,
il faut se poser des questions. Hein. Hein. Alors, j'aimerais quand même citer Joseph Reinach. Donc, Dreyfusard. Joseph Reinach, c'est pas Dreyfusard, c'est un des trois, c'est le trio fondateur de l'affaire Dreyfus. Voilà, c'est un des piliers. Mathieu Dreyfus, le frère. Joseph Reinach, le député. Et le journaliste Bernard Lazare. Juifs tous les trois qui ont pris le fait et cause pour Dreyfus et pour l'innocenté Dreyfus. Dans sa pseudo-histoire de l'affaire Dreyfus, il règle ses comptes avec ses petits camarades. Et il y a quand même des passages marrants de temps en temps. Et notamment, voilà ce qu'il dit sur l'affaire Siveton. C'était pour lui la certitude d'un procès retentissant, la probabilité d'un acquittement triomphant ou d'une condamnation légère. Dès qu'il connut l'ordonnance du juge, sa joie éclata. Son procès ne serait pas le sien mais celui d'André. Il écrivit son plaidoyer. J'ai outragé. J'ai souffleté un ministre de la guerre, je l'ai souffleté non par derrière, mais par sa face, non pour le blesser matériellement, mais pour l'outrager, non pas pour satisfaire une animosité personnelle, dans le micro et pas à côté. Mais pour venger l'armée livrée. Ça. Donc bref, qu'est-ce que nous dit Reinach ? Il nous dit qu'il n'avait aucune raison de se suicider. Donc, à mot couvert, il nous dit qu'il était assassiné. Moi, c'est alors, comme... on peut aussi dire un accident. Alors, officiellement, à l'époque, on parlait de suicide parce qu'on avait inventé des histoires de mœurs bidons. Parce que c'est ça, nos ennemis sont des champions en matière de calomnie. Hein. Voilà. Nous le savons. C'est assez insupportable, d'ailleurs. Quand on est un être humain normal, on est un peu étonné par ce type de procédé, je dirais. Bref. Voilà, donc voilà pour Siveton. Alors, si non, vous... Moi, ce qui m'intéresse plus que Siveton... C'est le capitaine, j'ai oublié le nom, qui avait entendu le témoignage, les aveux. Parce qu'il faut, il faut savoir que Dreyfus a fait des aveux. Alors, notre ami Adrien Abosi, qui oublie parfois qu'il est ici historien, et qui se rappelle qu'il est aussi avocat, raisonne comme un avocat. Il dit « Ah, mais ces aveux n'étaient pas enregistrés comme il faut, etc. » Peut-être que ces aveux ne valaient pas de... Ils peuvent nourrir l'intime conviction. Mais ce sont des aveux. Oui, oui, donc, avoué, avant sa dégradation publique, devant deux officiers, qui ne se sont pas concertés, qui ne se connaissaient pas. Le capitaine Dreyfus a reconnu. Alors, il a reconnu en inventant une explication. Oui, mais j'ai donné des documents, mais c'était la théorie de l'hameçonnage. C'était pour en obtenir mon échange. Alors cette théorie n'a aucun sens, parce que s'il avait été un hameçonneur, il l'aurait fait sur instruction et en accord, ou même à la demande, de supérieurs hiérarchiques des services d'espionnage, de contre-espionnage. Et d'autre part, on voit pas pourquoi les Allemands lui auraient donné des documents confidentiels, sous prétexte qu'il en aurait fourni. Donc tout ça n'a aucun sens, mais il a fait cet aveu donc pour ajouter des circonstances atténuantes qui pourraient peut-être le disculper. Mais il a devant deux officiers qui l'ont rapporté, donc qui, je crois... Et il y a deux morts mystérieuses. C'est incontestable. Alors, les deux officiers s'appelaient... Alors, c'était Lebrun-Renault et Dattel. Alors, c'est Dattel qui est mort bizarrement. C'est Dattel qui est mort bizarrement. Et alors, il y a... Et Lebrun-Renault, l'autre... Alors, Lebrun-Renault n'est pas mort, mais il y a un lien avec la mort du député Cholin-Servinière. Parce que Cholin-Servinière... Restons sur Dattel, alors... Dattel, on ne sait pas comment il est mort, hein, puisqu'on l'a retrouvé dans le train, raide, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vert comme un réverbère. Voilà. Et il n'y a pas eu d'autopsie, comme d'habitude. Il n'était pas si vieux que ça. Il était dans la force de l'âge. Dans ce livre sur l'affaire Dreyfus, donc le nouveau livre sur l'affaire Dreyfus d'Adrien Abosi, on est frappé par la série des morts mystérieuses. Qui sont toutes avantageuses pour le projet des Dreyfusards, qui est de faire innocenter Dreyfus. Et dont les versions officielles sont parfois ubuesques, si vous me permettez. Oui. Et là, on revient justement à la mort du député Cholin-Servinière, parce qu'il y a un lien avec les aveux. Donc le député Cholin-Servinière, c'était quelqu'un de tendance modérée, et il était ami avec Lebrun Renault. Et il avait déclaré à la presse, notamment le 8 février 1898, que Lebrun Renault. Dans les jours qui suivent, le soir même des aveux, Lebrun Renault lui a raconté à lui Cholin-Servinière. Donc, c'est un député de temps. Ça confirme le récit de Lebrun. Exactement. Et bien, Cholin-Servinière va connaître une mort absolument abominable. Alors, comment est-il mort officiellement ? D'un accident de train. Mais quel type d'accident de train, chers amis ?
écrasé et mutilé épouvantablement sur la voie. Tout à fait, mais quelle est la version officielle? Et c'est là où on voit qu'on se moque un peu de nous, me semble-t-il. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être pris pour un imbécile quand je dis ce genre de version. On nous dit, citation, il est probable que le député... Donc ça, c'est pour le journal Le Temps, je crois. Hein. Non, ça, c'est dans le Petit Parisien. Donc, et après, je vous lirai l'article du Figaro, si vous voulez bien. Il est probable que le député qui dormait fut réveillé par l'arrêt et se crut en gare. Il descendit aussitôt de son wagon. À ce moment, arrivé à toute vitesse en sens contraire, un train de marchandises qui l'a renversé et lui a passé sur le corps. Donc en fait, ce que dit le Figaro, attendez, on va le voir aussi, on nous dit, donc réveillant sur ce, le voyageur a cru être arrivé au Mans et aura voulu descendre pour profiter de l'arrêt. Il s'est trompé de côté, et au moment où il a mis le pied sur le marchepied pour être prêt à sauter, une secousse, un choc peut-être, lui fait perdre l'équilibre. Donc ce qu'on nous dit, c'est que en gros, il s'est trompé de côté pour sortir du train, et comme par hasard, à ce moment-là, il y a un train qui passe à toute bourre, et on est en pleine nuit, il l'entend pas, il le voit pas. Non mais on se moque du monde là. On se moque du monde, c'est pas sérieux. Oui. Là on nous prend pour des imbéciles. L'accident est peu vraisemblable, il a été assassiné certainement. Voilà. Mais attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il a porté par rapport au témoignage de l'officier? Il confirmait que le soir des aveux... Mais l'officier lui-même n'est pas revenu sur ses... Ah non, mais c'est, ça étaye quand même. Ça étaye la crédibilité. Mais on n'a pas assassiné le premier officier. On a assassiné que le second. Non, non, par contre, il a été menacé, calomnié, diffamé, le baron Renaud, etc. Hein. Ouais. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. On n'a pas assassiné tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple, mon cher Henri de Lescain. Vous savez que dans le bordereau, il y avait 5 éléments... Attendez, il faut rappeler... que l'accusation de Dreyfus, contre Dreyfus, a été fondée sur la découverte d'un bordereau. Alors, la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne était une espionne, une espionne de service français, et elle ramassait soigneusement dans la corbeille les papiers de l'attaché militaire. Et on a trouvé déchiré, mais on l'a recollé en morceaux, un bordereau. Oui. Un bordereau qui annonçait, fait par donc un espion allemand de l'armée française, qui annonçait la remise de plusieurs documents sur le frein hydraulique, sur le je sais pas quoi, enfin bon, sur les manœuvres. Un bordereau qui montrait clairement qu'un officier français fournissait des informations secrètes à l'ennemi allemand. Bon, l'ennemi allemand qui n'était pas en guerre avec la France à ce moment-là, mais qui avait fait la guerre à la France en 1870. Et qui était probablement l'ennemi de la guerre suivante, comme d'ailleurs la guerre de 1914 la démontrait, et qui d'ailleurs, à l'époque, occupait l'Alsace et une partie de la Lorraine, qu'il avait annexée en 1970. Et rappelons à ce propos au passage que Dreyfus, Alfred Dreyfus, était d'une famille alsacienne, que son frère Jacques avait gardé la nationalité allemande. Tout à fait. Que la famille Dreyfus avait des intérêts industriels ou commerciaux en Alsace, donc en Allemagne à l'époque. Et alors, au passage, je signale, parce que ça me paraît quand même croustillant, que le directeur de l'école de guerre où Dreyfus avait été a rapporté que Dreyfus avait dit mais que l'Alsace était beaucoup mieux sous la domination allemande que s'il avait été sous domination française. Ce qui montrait quand même un degré de patriotisme assez évanescent. Tout à fait. Donc, vous disais-je, dans ce fameux bordereau, vous savez qu'il y a 5 éléments, et notamment il y a le fameux manuel de tir. Et à l'époque, Dreyfus a prétendu, bien entendu, ne jamais avoir eu ce manuel entre les mains, mais la personne qui était chargée de le distribuer, le commandant, j'ai oublié son nom, Janel, je crois, a attesté que Dreyfus, je me souviens très très bien le lui avoir prêté. Et bien lui aussi, il a été menacé, vous voyez. Donc les témoins se sont fait échéance régulière menacés, ou... liquidé. Ou liquidé, ou il y a eu des tentatives de corruption, comme je le démontre à plusieurs reprises, notamment. Mais ça nous fait aller encore dans un autre chapitre. Mais voilà, donc pour les morts mystérieuses, donc on en a 4 ou 5. voilà, donc. Bon, l'autre... Sans compter Felix Faure. Ouais, voilà, puis la dernière, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long, c'est pour le faussaire, le Mercier Picard. Et puis voilà, disons simplement que le ministre de la guerre, donc Kantz. Krantz, pardon, excusez-moi. Il n'était plus ministre. Voilà, mais il était anti-Dreyfusard. Il croyait pas en la. Enfin, il était pas. Il ne croyait pas. Alors, il était d'obédience politique plutôt Dreyfusard, mais à titre personnel, il ne croyait pas en la culpabilité de Dreyfus. Bon. Il croyait à la culpabilité. Oui, pardon, il croyait à la culpabilité de Dreyfus. Oui, vous avez bien fait de me reprendre. Et donc, lui et toute sa famille ont été victimes d'un empoisonnement. Voilà, je le dis en passant. Mais qui n'a pas abouti, ils ne sont pas morts. Ah oui, attends, quand même, un dernier, quand même, le préfet Laurenceau.
puisqu'il y a eu des transferts de fonds. En fait, le préfet Laurenceau donc, était préfet dans le département du Nord, et il avait observé des transferts de fonds entre Paris et la Belgique. Pour financer les Dreyfusards. Et donc, indépendamment du fait qu'il ait été muté pour des raisons bizarre. Pas forcément dites, derrière, on l'a retrouvé. On l'a nommé Trésor IPR général, ce qui était quand même... C'est confortable le... sur le plan financier. C'est le classique, mon cher Henri Lasquin, de la sanction promotion. Vous voyez, c'est un grand classique. C'est pas une promotion, mais c'est disons que c'est avantageux sur le plan financier. Oui. Voilà, donc pour les morts mystérieuses, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà. Ben, l'essentiel, c'est donc qu'il y a une série de morts mystérieuses, vraisemblablement des assassinats, et que c'était toujours des gens qui étaient gênants pour la cause Dreyfusarde. Tout à fait. Qui disparaissait de manière bizarre. Et qui étaient donc parfois des témoins essentiels, parce que Chollin-Servinière, son témoignage aurait pesé lourd, quand même, hein, devant la justice, hein, puisque c'était un député de la République, donc quelqu'un qui était dans le cœur des institutions, et on imagine mal quelqu'un comme ça mentir devant tout le monde. Imaginez mal qu'un député puisse mentir. Non, ça, écoutez... Attendez, c'était pas les mêmes à l'époque. Hein. Écoutez, c'était... Là, franchement, c'était pas les mêmes. Moi, j'imagine très bien qu'un député puisse mentir. D'ailleurs, vous avez raison. J'observe qu'ils mentent à tout bout de champ aujourd'hui. Ils sont payés pour trahir aujourd'hui. Donc, effectivement, ils sont payés pour trahir. Pas, mais... Et citation de Georges de Grandmaison au procès de Rennes. « Étant donné les moyens employés par ceux qui veulent la réhabilitation de Dreyfus, il faut qu'ils se sentent les défenseurs d'une bien mauvaise cause. » Pour employer de tels moyens. Alors, rappelons que Dreyfus a d'abord été condamné en première instance pour trahison. Donc, voilà, il a été reconnu comme l'auteur du fameux bordereau, retrouvé dans la corbeille à papier de l'attaché militaire. Merci. Et ensuite, il a été recondamné après. Il a été recondamné non pas en appel, mais après procès en révision. Il a été recondamné par le Conseil de guerre de Rennes. Et donc les preuves qu'a réuni Maître Adrien Abosy dans son premier Merci. Livre et aussi dans celui-ci en partie, elles sont tirées essentiellement du dossier du procès. Hein. Et il faut rendre hommage, mon cher Henri Lasquin, aux militaires de l'époque qui ont fait le travail, vous voyez, et qui ont fait ce travail donc de documentation, de recherche de preuves, etc. Et vous donnez des récits, vous rapportez des échanges du tribunal. Qui sont de la cour du Conseil de guerre, qui sont très 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 convaincants. Hein. Oui, et puis je précise que j'ai fait un chapitre zéro dans ce livre, qui est l'interrogatoire de Dreyfus au procès de Rennes. Oui, je pensais à cela. Ouais. Et il y a quand même, alors déjà citation assez géniale. Excusez-moi, attendez si vous permettez, je fais beaucoup de citations ce soir, mais bon, ça vaut le coup, si sous réserve que je la retrouve. Alors je précise aussi une chose, mon cher Henri Lasquin, c'est que c'est un livre que j'ai dédié aux non vaccinés. Et principalement aux soignants non vaccinés. Merci, parce que je ne suis pas vacciné. Voilà. Non, non, mais je tiens à le dire parce que... Qui est vacciné, là ? Je considère que Didier Raoult... Qu'il se dénonce. Enfin, par le bip-bip messager, comme je l'appelle souvent, parce qu'il ne faut pas trop se faire pénaliser par les algorithmes, n'est-ce pas ? Mais voilà, donc c'est un livre que je leur dédie. Parce que, voilà, ils ont été victimes... J'ai envie de dire les injecter, d'ailleurs. Mais les injecter. Les injecter. Les injecter. Et encore, il est multi-injecté, les gars qui ont pris 4 injections. Hein. Oui, ils sont oui. encore vivants parfois. Et oui, qu'il y en ait qui en demandent. Hein. C'est bizarre d'ailleurs. Il résiste bien. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une nouvelle épidémie en Chine. Là. Bon. Bref. Alors, au sujet de Dreyfus à son procès, citation de Léon Blum. Il n'avait pas trouvé devant ses juges le cri de l'innocence. Non, pas à côté, mais devant le micro. Il n'avait pas trouvé devant ses juges le cri de l'innocence. Témoignage. Non, d'un oui. témoignage, ensuite, de paléologue. Donc paléologue, c'était un fourbe. Alors paléologue, c'est quand même la famille des grands empereurs byzantins. Je sais pas s'il y a un lien direct. Si, c'est la famille. Ouais, ils ont mal tourné alors, mon cher Indesquien. Ils ont mal tourné. Pas tous. Mais voilà. L'ambassadeur de France en 1914, en Russie, c'était un paléologue. D'accord. Et il a joué un certain rôle, malheureusement, un mauvais rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Hein. Donc, le paléologue, qui est un témoin de l'interrogatoire, nous dit « Peu à peu, comme ce dialogue se prolonge, une sincère évolution se fait en moi. » Une quoi ?« Sincère évolution se fait en moi. La sympathie que Dreyfus m'a tout d'abord inspirée s'atténue, se dissipe et la méfiance naît. » Précisément. Pourtant, il est Dreyfusard. Ah oui, oui, et puis on va voir tout à l'heure avec des pages panidardiques, c'était un sacré lustique. Voilà, donc, et puis plus tard, que nous dit-il, un peu plus loin, pardon, ces phrases pathétiques, je les reconnais pour les avoir entendues le matin, sinistre de la dégradation. Elles me donnèrent alors l'intime certitude qu'elles mentaient.
Pourquoi sonnent-elles encore aussi faux à mon oreille aujourd'hui, où je sais qu'elles disent vrai ? Pourquoi cet homme est-il incapable de toute chaleur communicative ? Pourquoi, dans ses protestations les plus fortes, rien de son âme ne peut-il sortir de sa gorge étranglée ? C'est simple, Dreyfus avait le visage d'un traître, il avait l'âme d'un traître, c'était un traître. Et c'était en tout cas un mauvais comédien, mon cher Henri Descartes, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc je n'avais pas prévu de la dire, mais en passant, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, nous allons demander à Patrick Catelan de lire quelques messages. D'auditeurs de Radio Athéna. Tout d'abord, nous remercions Octave Carlier qui nous, merci, qui Octave nous fait Carlier. Un don de 23,99€ et qui nous dit bonsoir messieurs. Il est généreux. Il emploie les techniques des grandes surfaces, 23,99€. Avec 23,99€, on peut se procurer en plus la mort mystérieuse. Donc il nous dit merci. Simplement bonsoir, donc merci. Très bien. Merci cher ami. Nous avons également un don du Zinzin Chronique. Donc d'un Zinzin Chronique. Zinzin Chronique est chroniquement excellent. Ouais. Et qui est également gardien de la cité. De combien ? De 20 euros. 20 euros. Eh bien décidément. Et gardien de la cité. Alors essayez de devenir gardien de la cité, ou même encore mieux, bienfaiteur de la cité, où le grade suprême c'est commandeur de la cité. C'est bien cela, Pierre de Tirmont ? Commandeur de la cité, oui. Il nous pose une question un peu hors sujet, donc je vais la lire. Quand même, grâce à son nom. Le casar est coupable, entendu. Moi, j'aimerais plutôt savoir si Adrien a consulté au sujet des affirmations de l'abbé Rioux contre Rore Sanctifica sur les ordres. Je vous avouerai que c'est pas... On pouvait répéter, j'en ai rien compris. Répétez calmement, parce qu'on n'a pas compris. Alors, j'aimerais... Donc, le casar est coupable. Le casar, c'est juif, en français. L'ashkenaz. J'aimerais plutôt savoir si Adrien a consulté au sujet des affirmations de l'abbé Rioux contre Rore Sanctifica sur les ordres. On en reparlera dans quelques l'abbé semaines. L'abbé Rioux contre Rore Sanctifica. Contre quoi ? Non, c'est sur la question. C'est une question théologique, Charles Desquin, c'est totalement hors sujet. Attendez. Non, mais moi j'aime bien comprendre ce qu'on dit à l'antenne. Au sujet. Rore Sanctifica, c'est du latin ça. Il n'y a pas de T à la fin. Oui, c'est Rore Sanctifica, oui. Ceci. Non, il a écrit un T, mais il a corrigé ensuite. Rore Sanctifica. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Rore Sanctifica, d'ailleurs ? Rore Sanctifica, c'est la grâce du Saint-Esprit qui est donnée pendant le sacrement de l'ordre catholique, dans le rite latin. Voilà. Et ça signifie la grâce du Saint-Esprit, en fait. Au sujet des affirmations de l'abbé Rioux, mais qu'est-ce que dit l'abbé Rioux ? Lui, il ne pense pas comme moi sur ce sujet, on va dire ça comme ça. Mais sincèrement, c'est mais, pas... Mais que dit-il ? Il dit que le rite de consécration épiscopale inventé par Paul VI est valide. Voilà. Et moi, je soutiens le contraire, mon cher Henri Desquin. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment le sujet du soir. Je ne suis pas compétent sur le sujet, mais... On en reparlera. Ça nous vient de l'affaire Dreyfus. Hein. Ouais, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Nos voilà. Moutons, ouais, qui sont des diables, d'ailleurs. Et surtout, il y a beaucoup d'autres moutons dont il faut parler, en plus. Parlez-nous, parce que vous vouliez... Parlez-nous de la dépêche. Je vous remercie. Alors là, déjà, je dois faire un mea culpa. Parce que j'aurais dû creuser ça plus tôt. Et j'aurais dû en parler davantage. Vous en parlez dans le premier livre. Ouais, mais je ne creuse pas comme j'ai creusé là, vous voyez. Alors Panizzardi était un attaché militaire de l'ambassade d'Italie, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Oui, tout à fait. Et l'Italie était alliée de l'Allemagne. Tout à fait. Ou de l'Autriche. Voilà. Tout à fait. Et alors, je le dis tout de suite parce que j'aurais pas forcément la possibilité d'en reparler plus loin. Parler dans le micro et pas à côté. Mais c'est Yves Amiot. Qui a découvert lui aussi une pièce... Vers 1930, ouais. Alors non, c'était Albert Moniaux. Non, Yves Amiot, il a écrit son bouquin dans les années 90, je crois. Ah, rien à voir, je confonds. Et il a découvert, lui aussi, un nouveau document très intéressant, dont on dira un mot. Et j'en ai jamais entendu parler dans les livres d'Affusard. Jamais. Voyez. Donc, les pièces gênantes, sous le tapis. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de parler des dépêches Panizzardi ? Pour deux raisons. Panizzardi. La première raison, c'est que c'est une charge supplémentaire contre Dreyfus. Alors expliquez ce que c'est. Alors, cette dépêche. Soyons clairs. C'est un télégramme classique que Panizzardi, le 5 novembre 94, envoie à son état-major. 1894, envoie à son état-major. Et ce télégramme, je précise bien. C'était un attaché militaire. Tout à fait, italien. Italien. Et ce télégramme est constitué de chiffres qu'on décode à l'aide d'un. Dictionnaire spécial. Alors, il ne savait pas que les Français connaissaient son chiffre. Il nous a sous-estimé. Ouais. Il ne faut jamais sous-estimer les Français, cher Anglesquin. Et donc, vous disais aussi, cette dépêche, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous montrer le dysfonctionnement
des institutions. Donc pendant la dépêche est déchiffrée par les services français. Tout à fait. Alors que se passe-t-il donc ? Il envoie. Comme c'est un télégramme, ça passe par la poste française. Tout à fait. Le bureau central de télégraphe. Et donc, qui renvoie un double au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Le ministère des Affaires étrangères va décoder donc ce télégramme fait de chiffres. Et il va envoyer une première version au ministère de la guerre. Et cette version incrimine Dreyfus. Puisqu'on nous dit que la formule nous dit, je crois, de mémoire, Dreyfus arrêté, et ça se termine par émissaire prévenu. C'est-à-dire qu'on le prévient que son complice est arrêté. Donc c'est une preuve contre Dreyfus. Bon. Mais, dans les jours qui suivent, bizarrement, le ministère des Affaires étrangères n'en est pas resté là, et il fait un deuxième décodage du télégramme. Et là, le texte du télégramme est beaucoup plus neutre pour Dreyfus. Bon. C'est quand même curieux. Hein. C'est quand même bizarre. Déjà, pourquoi ils refont le truc ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que quand ils l'envoient au ministère, on peut penser qu'ils sont sûrs de leur coup quand même la première fois. Bon. Bah, et oui. Ça me paraît être la moindre des choses. Enfin, moi, quand on a trouvé le déchiffrement, il me semble. Moi, quand j'envoie mes écritures à mon client, généralement, c'est que je suis sûr de mon coup. Hein, il faut comprendre que quand on chiffre, on a un système de chiffrage. Pour déchiffrer, il faut connaître ce système. Une fois qu'on l'a trouvé, on ne se trompe pas. Hein. Mais tout à fait. Et puis, à la limite, peut-être une erreur à la marge. C'est la substance quasiment qui est changée. Ouais. Bon. Alors, que va-t-il se passer ? Donc, en avril 98, le ministre de la Guerre, le général Billot, va vouloir réunir tous les éléments de fait et toutes les preuves, toutes les pièces de l'affaire Dreyfus. Et il va demander les versions du décodage dans le dossier. Mais introuvable à la section des statistiques. C'est normal, parce que Picard, à ce moment-là, est au pouvoir. Enfin, est passé par là avant, devrais-je dire. Et Picard... Est un agent refuseur qui a fait disparaître des pièces. Notamment acheté, la lettre CCC. Qui a été achetée sans aucun doute. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, il se plaindra même de ne pas avoir été assez... payé. Dans un article, un journal suisse qui était assez drôle. Bref. Et qui lui vaudrait des poursuites devant la 17e chambre aujourd'hui. Passons. Je suis sûr que c'était à l'époque la 17e chambre. C'était pas la même. Bref. Mais la 16e chambre du tribunal de Paris, c'est la chambre chargée des affaires de presse. Tout à fait. Alors, le général Billot va partir à la recherche de ces éléments-là, et il va demander au ministère des Affaires étrangères, dirigé par à l'époque Anneto, de lui donner les versions... Anneto, de lui donner tous les éléments qu'il a sur cette fameuse dépêche Maïdari. Refus. Le ministre dit non. Tiens, mais on n'est pas censé être dans le même gouvernement ? On n'est pas censé collaborer ensemble ? C'est quand même bizarre, ça. Bon, poursuivons. Le général Billot n'en reste pas là, et il va envoyer le général Gonz, qui est le chef véritable de la section de statistiques. Il va l'envoyer... La section de statistiques, c'était un terme, disons, euphémistique pour parler des services d'espionnage. Tout à fait, tout à fait. Et il envoie donc le général Gonz à la sous-section... Enfin, au sous-secrétaire d'État... de la Poste et Télégraphe pour obtenir l'original. Et là, retenez-le bien, chers auditeurs de Radio Athéna, on oppose au général Gonz, qui est quand même un personnage important de l'État, hein, c'est pas le Pékin moyen qui vient, on lui dit l'original a été détruit parce que nous détruisons tous les originaux au bout d'un an. Bon. À considérer que ce soit exact, une pièce aussi importante, on la détruit pas. Bon. Je précise aussi que le bordereau dans l'affaire Dreyfus, cette fameuse pièce a disparu. C'est quand même invraisemblable. C'est incroyable que ce bordereau ait disparu. Et voilà, c'est même suspect. C'est extrêmement suspect. C'est suspect. Bon, c'est plus que suspect. On a voulu empêcher une véritable nouvelle expertise graphologique. Tout à fait. Alors retenons, chers amis, que l'original de cette pièce est censé avoir été détruit. Bon, poursuivons. Arrive la première procédure de révision devant la Cour de cassation. Et le président de la cour, qui s'appelle le président Mazot, veut mettre la main sur cette pièce. Donc, il renvoie chercher le ministère de la guerre, qui à l'époque est un peu moins anti-Dreyfusard, qui est dirigé par Fraissinet, et qui utilise donc un agent de liaison qui est le général Chamoin. Il envoie le général Chamoin chercher les documents. Et là, eh bien, on lui donne, à l'administration des télégraphes, on lui donne un décalque. On a conservé un décalque de ce télégramme. Et quand on décalque, bien entendu, c'est la deuxième version qui n'incrimine pas Dreyfus qui en ressort. Mais nous savons de façon absolument certaine
que ce décalque est un faux, et c'est même doublement un faux. Pourquoi ? Premièrement, c'est pas l'écriture de Panizzardi. Ennuyeux, puisque c'est lui qui est censé l'avoir écrit. Deuxièmement, et ça c'est le président Mazo qui a donné le truc, c'est que quand on faisait un décalque apparemment à l'époque... Non mais ça suffit, si c'est pas l'écriture de Panizzardi, oui, c'est que ça n'est pas lui. Mais chargeons la mule, mon cher Rivesque, chargeons la mule. À moins qu'il ait dicté une secrétaire. Non, 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 mais chargeons la mule, c'est que c'était même pas un décalque original, parce que pour les décalques... Mais d'ailleurs, je dis une bêtise, parce que pour un document confidentiel, on ne dicte pas. Et puis surtout, il a lui-même au bureau, vous voyez, il a lui-même au bureau de Télégraphe. Mais pour un décalque, le verso est plus imprégné que le recto. Or, pour ce document-là, c'est l'inverse. Bon. Pour un décalque, le verso est plus imprégné. Tout à fait. Oui. Et pour ce document-là, c'était l'inverse. Donc, c'était même pas un vrai décalque. Mais là, la mascarade va se poursuivre, Henri Lesquin. En 1904, pour la deuxième procédure devant la Cour de cassation, le procureur général Baudouin va montrer le décalque au commandant Cuigné, qui connaît par cœur le dossier, parce que c'est lui qui l'a épluché, et c'est lui qui avait découvert le faux Henri. Et Cuigné va voir le décalque, et il dit, mais attendez, c'est pas le vrai. Parce que dans le premier décalque qu'on m'a montré en 99, il y avait marqué « certifié conforme » dessus. Et il y avait la date. Et là, dans le décalque que vous me montrez, ça a disparu. Et Cuigné rebondit et dit « mais d'ailleurs, c'est marrant. Comment, en 1899, a-t-on pu certifier conforme le décalque au télégramme original puisqu'on l'avait plus, officiellement ? On ne peut pas soutenir qu'on connaissait par cœur tous les télégrammes, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire. Donc il y a eu une deuxième falsification du décalque. Mais, poursuivons, quand Cuigné dit « c'est pas possible qu'on ait pu certifier conforme en 99 le télégramme », que répond Baudouin ? Il répond « si, parce qu'il avait l'original sous les yeux ». Donc là, on ressuscite l'original. Mais j'ai envie de dire au procureur général, mais monsieur le procureur... Oui, l'original. Pourquoi vous ne le versez pas au débat ? C'est que il y aurait plus de... La question serait tranchée. Discussion, mais c'est l'original, ouais. Donc là, on voit les acrobaties, on voit les faux témoignages, et encore, je passe certains détails. Mais c'est invraisemblable le dysfonctionnement interne des institutions. Bah, dysfonctionnement ou manipulation, plutôt. Les institutions sont censées faire leur travail, mon cher Henri. Elles sont censées, mais là, en l'occurrence, il y avait visiblement une infiltration de l'institution par le syndicat, comme vous dites, c'est-à-dire par les Dreyfusards qui voulaient... Et on sent une main invisible. On sent une main invisible. Cavaignac avait fait des bonnes citations. C'est dommage qu'on n'ait pas le tome 1 sous le coude. Mais on sent une main invisible. Le tome 1 sous le coude. Le tome 1, parce que c'est mon 3. On sent une main invisible qui est là et qui frappe toujours au bon moment. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des. Il y a eu un complot, si vous bien appelez une conspiration, qui visait à faire identité de Dreyfus et qui était prête à tout, même à l'assassinat, à la fabrication de faux, à la corruption. Corruption, on peut en dire un mot si vous voulez d'ailleurs. Le rôle de Bernard Lazare dans la corruption, puisque Bernard Lazare a proposé de l'argent. Il a proposé à un expert dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est d'écriture. J'ai oublié son nom. Il en a proposé aussi à Henri Rochefort. L'expert en écriture avait confirmé que c'était, bien Dreyfus qui avait écrit le bordereau, le fameux bordereau. Alors d'ailleurs, le grand Alphonse Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie... qui était le Didier Raoult de l'époque, on y reviendra alors, si vous voulez. Alors vous avez fait une comparaison amusante avec Didier Raoult, c'est-à-dire que c'est un grand spécialiste, et comme il ne disait pas ce qu'on voulait qu'il dise, il a été traîné dans la boue, comme dit Raoult. Et du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les champions olympiques dans leur domaine, et du jour au lendemain, on dit que ce sont des nuls, quoi. Voilà. c'est pour ça que je considère, bien qu'il soit d'extrême-gauche, je considère Didier Raoult comme un des grosses anti-Dreyfusards de ce temps. Ah oui, non, mais Didier Raoult, il est d'extrême-gauche, mais politiquement, mais dans son domaine, il est parfait. Et surtout, il a été extrêmement courageux, parce que la pression monumentale qui est lui sur les épaules, quoi qu'on pense de lui, et je lui pardonne ses propos gaullistes, vous voyez. Les nombreuses enquêtes à charge contre lui pour son... Oui, qui était totalement absurde. Confiance qu'on a, quoi. Oui, Patrick Cattelan. Et dont il ne reste rien aujourd'hui. Nous remercions François qui nous fait un don François. 5 euros avec un commentaire « Abat la gueuse ». Non, mais alors ça, je fais une parenthèse. Je dirais « Abat la révolution ». Non, « Abat la révolution », ça, je suis entièrement d'accord si on dit « Abat la révolution ». Mais j'ai un désaccord sémantique avec notre ami Adrien Bozzi, parce que
J'affirme que nous sommes plus en République depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972 qui a établi l'État cosmopolite à la place. Donc aujourd'hui, le régime français, qu'on appelle République, n'est pas une vraie République. Alors, c'est un débat sémantique essentiel, mais le mot République, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais est important, donc je préfère répéter parce que cette discussion me paraît très importante. Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Alors la définition habituelle du mot République est purement négative. C'est tout régime qui n'est pas une monarchie. Bon. Alors cette définition négative qu'on peut évidemment adopter a l'inconvénient de mettre dans le même sac des régimes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La République romaine, la République de Venise, la République islamique de Khomeini, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Première République qui d'après moi n'en était pas une, qui était un régime terroriste, une tyrannie terroriste, et la Troisième République, qui en réalité continue jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'au 1er juillet 1972. Donc, alors, je préfère donner une autre définition, qui est celle de Jean Bodin, de la République, 1576, je crois, hein, et qui définit la République, d'après l'étymologie res publica, la chose publique, le bien commun, comme tout régime voué au bien commun, qu'il soit monarchique, aristocratique ou démocratique. Je crois que ce terme de république peut s'appliquer à beaucoup de régimes qui ne sont pas forcément qui peuvent être des monarchies justement. Hein. Donc je pense que la monarchie française a été la plupart du temps une république au sens de Jean Bodin. Et la première république n'était pas une vraie république, c'était une tyrannie jacobine sur le peuple. Mais en revanche, la Troisième République était bien une république, même si elle était anticatholique. Anticatholique. Enfin, pas tout de suite, mais lorsque les Français. Elle aurait pu être autre chose. C'est Gambetta qui a donné la. Il faut bien comprendre que la Troisième République n'est pas née avec Gambetta le 4 septembre 1970. Elle est née en réalité en 1871, avec Adolphe Thiers. Et concrètement, elle n'est pas née de la référence à la Révolution française de 1789, mais d'une contre-révolution qui a été l'écrasement de la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'était une vraie révolution que Marx et Engels ont admirée, en trouvant simplement que les communards n'avaient pas assez tué, n'avaient pas assez massacré, étaient trop gentils. Le régime nouveau, qu'on a appelé la Troisième République, qui pour moi n'était que la Deuxième, puisque la Deuxième République était la Première, en 1848, et donc un régime fondé sur une contre-révolution. Voilà. Donc elle n'était pas liée à cette notion de révolution qui est toujours destructeur. Oui, non, ce qui est plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fond des institutions. Oui. Nous remercions, nous souhaitons la bienvenue à Pascal qui devient gardien de la cité. Merci Pascal. Et vive les gardiens de la cité. Nous remercions Octave Carlier pour un don de 5,99€. Merci. Et qui commente, j'ai vu une question qui n'était pas munie d'un don à propos de l'assassinat de Kennedy et de son mobile réel. Pouvez-vous y répondre? J'ajoute que c'était une question de Stéphane Michel. Alors, écoutez, sur l'assassinat de Kennedy. Est-ce qu'on est sûr qu'il est mort assassiné déjà? Oui, c'est une blague là. Oui, on est sûr. Alors, sur l'assassinat de Kennedy, moi j'ai deux choses à dire. Premièrement, il me paraît évident que c'est un complot. Ah bah oui. C'est un complot, c'est pas. Lee Oswald qui passait par là, qui avait un fusil qui traînait, qui l'a pris, qui a tiré au hasard et qui a tué Kennedy. Non. C'est un complot. La preuve que c'est un complot, c'est que Oswald a été assassiné 2 jours après. Donc on ne voulait pas qu'il parte là. Pour moi, c'est vraiment. S'il a été éliminé, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on suive l'origine. Alors pour savoir quels sont les auteurs du complot, il y a toutes sortes d'hypothèses. Je n'ai pas d'hypothèse. J'ai vu récemment dans le journal une hypothèse sur laquelle il aurait été tué par les. Il aurait été assassiné par les réfugiés cubains qui ne lui auraient pas pardonné d'avoir abandonné les Cubains, la baie des cochons, d'avoir fait échouer l'invasion de Cuba par les adversaires de Fidel Castro. Et d'aucuns disent la mafia alors, aussi. D'autres disent que c'est la mafia, mais bon, ça peut être aussi le. Malgré Stanaï, peut-être. Les communistes, l'URSS qui l'aurait assassiné. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Je me suis incapable de choisir entre toutes ces hypothèses. Je crois que la commission du juge machin a surtout essayé d'étouffer l'affaire pour faire croire que c'était un acte isolé. Il n'avait pas. Les hommes d'honneur qu'il y avait à l'époque dans l'armée française.
Non, non, non. Alors, donc je suis incapable de trancher entre les différentes hypothèses qu'on peut faire. Il est possible que ce soit quand même l'URSS qui l'ait fait assassiner. Parce que Oswald avait fait un séjour en URSS, il avait été à Cuba, donc, oui. Donc c'est quand même assez vraisemblable. Hein. Oui, puis c'était les méthodes de la maison, si je puis dire. Ah bah, oui, bien sûr. Oui, c'est oui. Un peu les champions. Et c'était important, évidemment, pour les Soviétiques, si ce sont eux qui ont fait assassiner Kennedy, que l'on ne suit pas, qu'on ne peut pas les accuser. Et donc il fallait éliminer, trouver un complice. Alors je crois que comment s'appelait l'assassin de Oswald, j'ai oublié, c'est Rudy, Ruby, je crois. Mais je crois qu'il était officiellement un peu déficient mental, non ? Pardon ? Il n'était pas un peu déficient mental, officiellement ? Il était surtout en train de mourir d'un cancer, et donc on a dû promettre de donner beaucoup d'argent à sa famille, je suppose. Bah bon, Et il y a toujours quand même le dingue, toujours au bon endroit, au bon moment, quand même. Hein. C'est quand même intéressant. Voilà, donc l'assassinat d'Oswald montre qu'il y a un complot. Donc, et c'est la commission, c'est Powell, je crois que c'était le président de la Cour suprême. C'est Jack Ruby, l'assassin. Mais je crois qu'il... De son vrai nom, Rubinstein, qui était juif. Hein. Et donc, je crois donc que c'est un complot, vraisemblablement soviétique, mais d'autres hypothèses ne sont pas... Il n'y a pas eu des nouveaux éléments, d'ailleurs, récemment, là ? Il me semblait que... Ce que j'ai vu comme nouveaux éléments, c'est uniquement l'hypothèse cubaine. L'hypothèse des réfugiés cubains, mais qui ne me paraît pas très convaincante. Donc, il y avait des raisons, semble-t-il, pour les soviétiques de l'éliminer parce qu'il était trop dangereux, trop ferme, hostile à l'URSS. Une question de notre gardien de la cité, Edouard. Merci, Edouard. Quelles étaient les motivations des Dreyfusards français ? Pourquoi autant de personnes politiques ont voulu trahir la France alors que la culpabilité était évidente ? La main qui donne déjà est au-dessus de la main qui reçoit. Et quel était l'enjeu de l'affaire Dreyfus ? C'était l'épuration de l'armée, puisque l'armée, c'était le plus grand bastion catholique sous la Troisième République. Baudelemény en parle très très bien, hein. Il y avait beaucoup de rejetons de la noblesse, c'était le mot recasé n'est pas tout à fait approprié, parce que c'est plus qu'un recasage. Mais il fallait... Mon grand-père et ses trois frères étaient dans l'armée. Hein. Des Bretons au service de la France. C'est des Bretons au service de la France. Mais il faut bien savoir une chose, chers amis. La moitié des hommes de la noblesse étaient dans l'armée. Quelle est la grande révolution de l'affaire Dreyfus ? C'est que, et ça je l'ai appris en creusant le dossier, parce que je ne savais pas avant, c'est que depuis, pendant tout le 19e siècle, l'armée française était totalement autonome d'un point de vue administratif. C'est-à-dire qu'elle gérait elle-même, sans interférence politique du gouvernement, les nominations. Donc c'était un état dans l'état, l'armée française. Et la grande révolution de l'armée Dreyfus, c'est d'abord c'est les décrets Galiffet, qu'on prend en 1900 et quelques, qui, pour la première fois, autorisent la nomination des généraux par le gouvernement. C'est comme ça qu'on aura le bonnet d'âne Joffre. Et ensuite, il y a la fameuse affaire des filles, etc. Donc c'était vraiment torpiller l'armée française. Non mais je voudrais m'inscrire en faux quand même contre l'affirmation de notre... Comment s'appelle-t-il ? Édouard, c'est ça ? C'est Édouard, oui. Alors Édouard, non, ça n'est pas du tout évident. Pour prendre mon cas personnel, je vous assure que j'avais lu plusieurs livres sur l'affaire Dreyfus, qui étaient tous vraiment écrits par des Dreyfusards, qui me laissaient perplexe, parce que je trouvais que leurs explications étaient compliquées, contournées, pas très convaincantes, mais je réservais mon jugement. Hein. Et c'est la lecture du premier livre d'Adrien Abosy qui m'a éclairé, qui m'a définitivement convaincu que c'était vraiment que Dreyfus était coupable, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Ça n'est pas évident, et c'est d'autant moins évident que toute la propagande des Dreyfusards, c'était justement de créer une intoxication, hein, en complexifiant. Parce qu'au départ, c'est simple, c'est un gars qui trahit son pays parce qu'il a de la sympathie pour l'Allemagne, parce qu'il est payé, j'en sais rien. En tout cas, il y avait certainement de la sympathie pour l'Allemagne. Il y avait un frère allemand, qui fournit des renseignements à l'Allemagne, des renseignements secrets, militaires. Une affaire est relativement simple. Et entre parenthèses, moi je ne comprends pas très bien pourquoi il a été condamné seulement au bagne. Il aurait fallu condamner à la mort à l'exécution. Parce qu'à l'époque, c'était interdit. C'est-à-dire que la peine de mort existait, je vous signale. Pas pour les cas politiques. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il n'est pas. Pour les cas de trahison, il me semble que la peine de mort est particulièrement indiquée. Oui, mais. En tout cas, il a échappé à la peine de mort. Alors qu'il a donc été jugé deux fois, condamné deux fois, et s'il a été finalement innocenté, c'est par une
une mascarade à la Cour de cassation, qui a d'ailleurs trahi, qui a violé le droit, parce qu'après avoir annulé le jugement de la Cour du Conseil de guerre, elle n'a pas renvoyé le procès devant une autre, un autre Conseil de guerre, comme elle aurait dû le faire selon la loi. Elle a cassé sans renvoi, ce qui était un scandale juridique. Donc non, ça n'était pas du tout évident, et beaucoup de gens ont cru sincèrement, comme vous en parlez de Peggy d'ailleurs. Une annexe sur Peggy qui est intéressante, Charles Peggy, qui était de bonne foi, mais qui a cru naïvement à l'innocence de Dreyfus. Donc beaucoup de gens ont cru naïvement à l'innocence de Dreyfus, et aujourd'hui, beaucoup de gens, la plupart des gens d'ailleurs, croient à la doxa, on leur a dit que Dreyfus était innocent, ils y croient. Bon, ils y croient. Ils croient à beaucoup de choses. Ils pensent que le bip messager va aller. Ils croient aussi au réchauffement climatique causé par l'homme, comme c'était une évidence, hein, voilà, on n'a pas le droit de douter de ça. Hein. Bon, et ainsi de suite. Ils croient aussi qu'il faut porter un masque, qu'il faut se faire vacciner, et ainsi de suite. Bon, donc les gens croient beaucoup de ce type. Que l'immigration est une chance pour la France. Mais permettez. Ça, c'est moins cru. Hein. Moins aujourd'hui. Mais on en a mangé. Et juste une chose pour terminer, j'ai inventé une petite formule parce que ce livre aussi, alors j'ai commencé à l'écrire en 2018, mais je l'ai peaufiné après ce que vous appelez la tyrannie sanitaire. Non, je précise, la tyrannie pseudo-sanitaire. Pseudo-sanitaire. À prétexte sanitaire. La TPS, tyrannie à prétexte sanitaire. La tyrannie à prétexte sanitaire. TPS, voilà. Tyrannie à prétexte sanitaire. Et il y a un parallèle gigantesque. Causé par la grippe de Wuhan. Alias le Covid-19. Mais il y a une analogie gigantesque à faire entre l'affaire Dreyfus et la tyrannie à prétexte sanitaire. TPS. C'est que déjà, ce sont tous les deux ce que j'appelle des accélérateurs de particules révolutionnaires. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est exact. Vous voyez ? Et le point commun, c'est que les institutions ont menti. Elles ont menti. Voilà, et c'est pour ça que je qualifie Raoult. De toute manière, la tyrannie, la TPS, tyrannie à prétexte sanitaire, était encore plus loin, parce qu'on a quand même injecté, vous le dites d'ailleurs, un produit expérimental à 80% des Français. Hein. C'est quand même fou. Quoi. C'est invraisemblable. Alors, c'est incroyable. De vous à moi, je n'ai... Alors qu'on sait, Raoult... Véran est coupable. Raoult l'a rappelé. On sait que... Le vaccin contre le Covid ne réduit pas les risques d'être contaminé, ni le risque de contaminer, mais réduit probablement, simplement, le risque d'avoir des formes graves. Or, pour la plupart des gens qui sont jeunes ou pas jeunes, mais qui n'ont pas de facteurs de risque importants, le risque d'avoir des formes graves est égal à zéro, bah, la moitié de zéro, c'est encore zéro. Donc la plupart des gens n'ont absolument aucun intérêt à se faire vacciner. Hein. Bien sûr. Et donc c'est qu'on est obligé les gens à se faire vacciner pour pouvoir aller dans les restaurants. On est obligé de prendre le certificat de son ami, de tricher en permanence. Quoi. Mais je vous avoue que... J'avoue que j'ai triché, voilà. J'espère que je ne serai pas poursuivi en justice. Vous savez, moi, j'ai pas encore digéré ces événements, mon cher Ilesquin. Ah bah, moi non plus, alors là, parce c'est tellement, que, énorme, énorme. Le mélange de servilité et de conformisme m'a presque traumatisé, vous voyez. Non, moi, j'ai failli me faire agresser, parce que dans les trains, je refusais de mettre le masque. J'ai fini par céder parce que je me suis dit, j'ai failli me faire tabasser deux ou trois fois, par le concreur, hein, par des passagers. T'es fou furieux. Mais bien sûr, mais taré. Mais moi, c'est dans le métro. Moi, dans le métro, je me suis embrouillé par des boomers, mon cher Henri Desquin, mais un nombre incalculable de fois. Boomer n'est pas français. Alors, comment on les appelle ? Je sais pas ce que vous dites. Les collabos. Voilà, les collabos. Et je me suis même confessé une fois, parce que j'ai eu des mots un peu contre une dame qui m'insultait. Mais c'est effrayant. Là, le peuple français, et surtout à Paris, qui est le cœur de la collaboration, quand même, hein, parce que 80% de vote Macron, ça fait un peu mal quand même. Mais il en est ressorti un visage du peuple français hideux. Alors Dieu merci, les collabos ne sont pas l'intégralité. Il y a aussi des gens courageux qui ont résisté. Hein. Non, mais c'est quand on crée la panique, les gens sont paniqués. Ils n'ont pas d'esprit critique. Et quand vous avez une propagande. Merci. Monomaniaque, unique, permanent, toute la journée, la télévision pendant 3 heures par jour, et pendant 3 heures, ils subissent le matraquage sur le Covid qui est le mal. Enfin, on nous a annoncé que l'humanité allait disparaître, hein, enfin, en tout cas que le tiers de l'humanité allait mourir du Covid. Bon, mais là, on a reconnu les âmes libres, indépendamment des opinions politiques des uns et des autres, on a vu qui était capable de se faire son propre opinion. Parce que vous savez que Félix Soir avait une très bonne citation, il disait que la presse est incapable. De donner, de forger l'opinion de ceux qui en ont déjà une, mais qu'elle peut en forger à ceux qui sont capables de s'en faire une. Vous voyez ? Et là, on a une démonstration. Oui, mais comme Félix Fort, il y avait beau de franc-maçon, vous voyez qu'il était quand même bien. Hein. Il y a des gens bien partout. Et même, il y a des catholiques qui sont des planches pourries, hein, vous savez. Hein, donc, c'est beaucoup, c'est... plus qu'un peu, ouais, absolument.
Nous avons une question de LS. J'ai appris une théorie sur Esterhazy, comme quoi il aurait été lié au Rothschild, raison pour laquelle il finit sa vie dans l'aisance en Angleterre. Alors, il y a deux choses. Oui. C'est qu'il a touché l'argent des Rothschild. Mais c'était avant l'affaire Dreyfus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas touché pendant et après. Bah, il a touché sûrement. Il a été payé pour cela. Il a touché en tout cas d'argent, puisqu'il est parti... Esterhazy s'est accusé lui-même d'avoir été l'auteur du Beurre de Rose, qui était un pur mensonge. Voilà. Et il a dit qu'il aurait fait le Beurre de Rose, soi-disant, à la demande du colonel Sander, le chef de la section statistique, pour créer des preuves contre Dreyfus, enfin un truc totalement ubuesque. Bon. C'était un mythomane de première catégorie, Esterhazy. Bah, c'était surtout un agent de refusard. Ah, tout à fait, tout à fait. Corrompu. Mais il quitte la France en 1899, pardon, ruiné, pour aller vivre en Angleterre, où il entretient des maîtresses. Avec quel argent? D'où a-t-il tiré ses revenus? Alors, pour Esterhazy, rappelons qu'Esterhazy avait été poursuivi et il avait été acquitté. On l'avait accusé de du Beurre de Rose. Il a été acquitté parce qu'évidemment, il n'y avait aucune preuve. Le dossier était vide. Et alors, à partir de ce moment-là, autorité de la force jugée, il pouvait raconter n'importe quoi. Tout à fait, c'était indispensable. Comme il était couvert juridiquement par l'autorité de la force jugée, il a pu déclarer qu'il était ouais, l'auteur. Il avait une forme d'immunité. C'est quand même extraordinaire, ça. Ah non, mais ils ont pensé à tout. On aurait pu réviser son procès, d'ailleurs, mais comme on savait que c'était pas vrai. Mais personnage exécrable. Et autre traître. Il y avait un point commun, c'est un autre point commun qu'il a avec Sarkozy. Il était hongrois comme lui, ouais. Et traître comme lui. Ouais. Stéphane Michel demande si Léon Blois a écrit sur l'affaire Dreyfus. Bonne question, il faudrait que je relise son journal. Sûrement. J'ai vu ça il y a 10-15 ans, donc, mais ouais, faut que je creuse. Vous ne parlez pas de Léon Blois avec son livre sur le salut par les juifs, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment du délire complet. Léon Blois est un personnage sympathique, mais complètement. Il y a à boire et à manger. C'est un fou furieux, hein, franchement. Il y a à boire et à manger. Il écrivait bien, voilà. Il écrivait bien. Oui, il écrivait bien. Il avait un bon style. Il avait un bon style, mais c'était un forcené. Hein. Maxence de Touraine demande : connaissez-vous le travail de Simon Epstein au sujet du devenir des Dreyfusistes sous l'occupation ? Tout à fait. J'ai lu son bouquin, oui. C'est sympathique. Bon, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des anti-Dreyfusards qui sont devenus résistants, et il y a des Dreyfusards qui sont devenus collabos. J'ai envie de dire, monsieur Epstein, les Dreyfusards étaient déjà des collabos. Mais bon, bref. C'est un intérêt limité. C'est intéressant parce que si vous voulez. C'est quand même 50 ans après. Hein, ouais, enfin, et puis, 50 ans après, oui, si vous voulez, 40 ans après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des listes de portraits de personnages, quand même, et ça nous permet de nous replonger dans la France. Voilà. C'est assez intéressant, quoi. Et oui, effectivement, Charles Desquin, si vous me permettez, je fais trois portraits aussi hein, dans le bouquin. Enfin, portrait, le mot est fort. Mais j'évoque donc trois personnages en détail. Hein, Charles Péguy et Joseph Renac et un petit peu aussi Bernard Lazare. Voilà. Alors disons un mot de Charles Péguy, parce que Charles Péguy est un personnage sympathique. Oui. Qui est mort héroïquement en 1914, je crois. Oui, tout à fait. Dès le début de la guerre, bataille de la Marne, voilà. Alors... J'aime pas trop son style, c'est très répétitif. Il écrit bien, mais il a un style lassant avec énorme répétition. Oui, c'est vrai. C'est très verbeux. C'est fatigant. C'est très verbeux. Et alors, il était archi Dreyfusard. Alors, la légende prétend qu'il s'est converti au catholicisme, mais vous nous éclairez sur ce point, parce qu'il était si bien converti qu'il n'a même pas baptisé ses enfants. Ouais. Et il n'allait pas à la messe. Hein. Je croyais qu'il était marié, vous prétendez qu'il était en concubinage. Je me souviens plus de ce point, pour être tout à fait certain. Je crois qu'il était marié. Hein, mais... En tout cas un catholique qui ne fait pas baptiser ses enfants, c'est quand même drôle de paroissien. Hein. Et à ma connaissance, ses enfants ne sont pas devenus catholiques fervents. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que c'est ouais. Ça, bon, alors après, bon, mettons à son crédit qu'il était en cours de cheminement. Bon, voilà. Voilà. On veut pas être trop dur avec lui parce que comme il est mort, moi j'ai un amour fou pour les pollus, vous voyez. Et voilà, il est mort en combattant. Il est mort en combattant, donc paix à son âme. Et, bon, et prions pour le salut de son âme. Et puis quand même, il a montré son amour de la France, même s'il s'est trompé sur Dreyfus. Oui. Et puis il a des pages quand même hilarantes contre Jaurès et contre Gustave Hervé. Voilà, on met ça à son crédit, quoi. Voilà. On met ça à son crédit. D'ailleurs, il est en taule aujourd'hui, hein, s'il écrivait ça, hein, des fois. Sur oui, pourquoi bah, bah, il a dit Jaurès, il faut lui mettre une balle dans le dos et tout ça. Enfin, vous voyez, c'est... Ah ouais. Il aurait des problèmes, quoi. D'ailleurs, Jaurès a eu une balle dans le dos. Enfin, je... Oui, c'était prophétique. Ouais. il est mort assassiné, ouais. Nous renvoyons les auditeurs à la conférence qu'on avait faite sur Jaurès. Jaurès a été assassiné, c'est quand même... Bon, écoutez, son assassin a été quand même acquitté, hein.
C'est un truc c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Je sais que dans c'est le même genre. C'est comme l'assassin, enfin la femme qui a assassiné. Et j'allais réunir. Ouais. Le directeur du Figaro, elle a été aussi acquittée. Enfin, franchement, il y a des jugements qui sont scandaleux. Et vous savez, mon cher Edlaskin, moi, quel... j'ai aucune circonstance étonnante, je veux bien. Mais l'acquittement, non. Quel est le point commun entre le. Donc, c'était la femme du ministre. Zut. Comment s'appelait-il Ah, j'ai oublié son nom. Quel ministre la femme qui a tué le directeur du Figaro. C'était. C'était... un ministre des Finances qui est pendant la guerre, notamment, je crois. J'ai oublié son nom. Zut. Oui, parce que le Figaro avait publié, les lettres, intimes de ce ministre. Donc c'était qui ? C'était pas Aristide Briand, non ? Non, c'était un autre qui a été jugé aussi un des grands ministres. Et, c'était pas Léon quelque chose. Et donc les lettres qu'il avait échangées avec sa maîtresse avant de l'épouser. Et donc ça avait beaucoup les plus, elle s'était sentie déshonorée, elle est allée assassiner le directeur du Figaro à son bureau. Et alors quel est le point commun entre l'affaire Dreyfus et cette affaire, mon cher Edlaskin ? Aucun. Il y en a. On va chercher, là, vraiment. L'avocat. C'est le même avocat. C'était Labori, l'avocat de madame... Attendez, je vais pas lâcher l'affaire, là, excusez-moi, mais... là, je me sens minable. Cherchez l'information là. Ministre des Finances. Ministre des Finances, c'est ça. Albert Sarro, non ? Non, c'est Léon. Non, attendez. Albert Sarro. Liste. Troisième République. Assassinat du directeur du Figaro. Troisième République. Je vais vous trouver ça. Parlez dans le micro et pas à côté. Attendez, faut que je retrouve. Joseph Caillaux. Joseph Caillaux a commis une très vilaine chose. C'est lui qui a inventé l'impôt sur le revenu. Ah, c'est plus que vilain. Ah, mais moi, mon cher Edlaskin, je vous dis un truc. Ah, mais moi, j'ai une théorie très sérieuse. Hein. L'impôt sur le revenu est l'un des instruments de castration du peuple français. Je ne sais pas si jusque-là. Ah, moi, je vais jusque-là. C'est un impôt qui permet. Qui spoliateur. D'abord, c'est spoliateur, mais spoliateur. Qui impose une. Une investigation de l'administration fiscale dans la vie privée. Mon cher Edlaskin, le simple principe de déclaration de revenus, c'est monstrueux. C'est totalitaire. Mais c'est monstrueux. Et on est obligé de déclarer ses revenus. Et à laquelle s'ajoutent maintenant les déclarations sur les biens immobiliers. Voilà. Pour nous passer un nouveau coup de tondeuse. Vous voyez ? Ouais, c'est du totalitarisme, les déclarations de revenus. L'impôt sur la fortune qui est devenu impôt sur la fortune immobilière. Personne d'ailleurs n'a souligné le scandale, enfin, je crois, hein, incroyable, le fait que Macron n'a pas supprimé l'impôt sur la fortune, mais l'a réduit à un impôt sur les biens immobiliers. C'est-à-dire que la finance apatride, oui. Qui a des biens mobiliers par définition, n'est plus imposée. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est du cosmopolitisme à l'état pur. Et les vieilles familles françaises qui ont du patrimoine, elles continuent de se faire charcuter. Voilà. Alors, quand on est patrimoine. C'est fou, quoi. Mais moi, je le dis. Le scandale aurait dû être dénoncé par la gauche communiste. L'ISF est un scandale. L'ISF, c'est un scandale. Ça n'existe plus, c'est l'IFI maintenant. Alors, l'IFI, moi, je ne paye pas encore, moi, je suis redacien, vous voyez. Mais. Attendez, depuis Macron, c'est l'IFI. C'est un scandale, et nous, quand on sera au pouvoir, on abolira cette scandale. Mais je vous dis, ce qui est le scandale est encore aggravé par un super scandale, qui est le fait qu'on est exonéré. Seulement la fortune mobilière. Tout à fait. La fortune apatride et vagabonde dont parlait je ne sais plus qui. C'était le candidat monarchiste, je crois. Non, c'était celui qui a formé Ratier. Coston, voilà. Non, mais avant Coston, c'était... Non, c'est possible. Une formule plus ancienne que Coston. Mais en tout état de cause, il faut abolir cet impôt parce qu'il faut que les Français se refassent du patrimoine, tout simplement. Et on n'a pas à s'excuser d'avoir du patrimoine, on n'a pas à s'excuser d'hériter. Voilà. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas le principe de l'impôt sur la fortune qui est tellement choquant, c'est son montant. Bien que, évidemment, oui, l'impôt sur la fortune oblige les gens à déclarer leur bien. Mais vous savez, si on. C'est moins intrusif quand même que la déclaration de revenus. Si on taxait vraiment la finance faite par des algorithmes, etc., pourquoi pas, hein, mais bon, c'est pas du tout le cas. Là, en l'occurrence, on tombe ceux qui n'arrivent pas à se faire défiscaliser, vous voyez, par l'optimisation fiscale. C'est scandaleux. Alors moi, je vous avoue, j'étais pas sensible à la question quand je bossais pas. Mais comme disait Beaumarchais, on est compatissant au mot que l'on ressent soi-même, vous voyez. Voilà. Et je vous avoue que moi, l'impôt sur le revenu, moi, je suis outré. Hein. C'est un de mes grands combats. Hein. Faut pas me parler de ça. Faut pas parler de ce sujet. Si vous étiez pauvre et vous n'aviez pas de revenus, c'est le problème ne se poserait pas. Il faut pas parler de ce sujet. Il faut surtout pas me parler de ce sujet. Il vaut mieux être voilà. Riche et bien portant que pauvre. N'embrayons pas sur la CSG, parce que alors là, on ira encore plus loin.
Nous avons une question d'un auditeur avec un pseudonyme chinois, donc je n'arrive pas à le lire. Enfin, montre-moi. Un idéogramme chinois. Ah, un pseudonyme chinois, non, je ne parle pas chinois. Ah, ah oui, là c'est dur. Hein. C'est compliqué, oui. Je ne sais pas si c'est chinois ou japonais. Hein. On va... Si, c'est... Est-ce que ce seront des... On va faire comme dans Tintin, on va l'appeler Chang. Voilà. Chang, voilà, c'est Chang. C'est Chang Kai-shek. Alors, voilà. Donc Chang... Chang. Quand vous voyez le caractère chinois, vous allez dire Chang. Je suis tintinophile. Monsieur Abosi. Eh bien, je vais bientôt faire une émission avec notre ami Pelletier, Martin Pelletier, sur Tintin. Alors, quel est votre Tintin préféré ? Lotus Bleu, je pense, oui. Oui, pas mal, oui. Lotus Bleu, c'est très bien. Il est marquant. Pas mal, oui. Et cette boule de cristal, j'aime beaucoup. Très bon, Pierre Le Tiamon. Cette boule de cristal, c'est bien aussi. Préféré. Ouais. Au Congo, peut-être. Tintin, non, mais il est hors catégorie, celui-là. Il est hors catégorie. Et de vous à moi, c'est le moins bon, en vérité. Oui, non, ça n'est pas. En vrai, c'est le moins bon. C'est vrai qu'on a fait d'ailleurs une parodie à mon sujet sur le Tintin Congo. Oui, c'est pour ça. Henri au Congo. Elle est très drôle, d'ailleurs. Ouais. J'ai découvert d'ailleurs des personnages de rap, de rappeurs dont j'ignorais tout, j'ignorais l'existence. C'est assez rigolo. Hein. Mais Tintin, ça a bercé l'enfance de beaucoup de Français. Et c'est pour ça que je suis pour l'annexion de la Wallonie, c'est pour que Tintin devienne français rétrospectivement. Ah ben, moi, la différence avec vous, c'est que je suis pour l'annexion de la Belgique tout entière, y compris les Flamands. Alors je suis d'accord avec vous, parce que je suis allé une fois. Catholique, hein, je suis allé une fois en Belgique flamande, pas un papier par terre. Voilà, c'est bien. Non, non. Pas un papier par terre. Hein. C'est... Non, puis nous avons déjà une Flandre française qui est un peu limitée parce que c'est autour de Dunkerque, mais bon, nous pourrions avoir une Flandre plus large. Ouais, mais c'est un peuple brillant. Hein. La Belgique mérite d'être française. Et elle mérite d'être désocialisée de voilà. Toute cette mafia socialiste. La France aussi, d'ailleurs. Voilà. Oui. Et franc-maçonne. Oui, ça va avec. La franc-maçonnerie en Belgique, c'est quelque chose. Hein. Et puis, elle a des petits Pokémon avec nous aussi, la Belgique, aujourd'hui, au niveau de l'immigration. Quoi. Voilà. Ouais. Bref. Patrick Attelon. La question de Chang. Monsieur Abouzi, que pensez-vous des travaux du monastère dans la Très Sainte Famille sur le CD vacantisme ? Peut-on considérer les travaux fort, comme... le monastère de la Sainte Alors, Famille... Alors, monastère de la Très Sainte Famille sur le CD vacantisme... Ils ne sont pas catholiques. Qui ? Le monastère en question, c'est une secte finéiste. Et une secte quoi ? Finéiste. Finéiste. C'est-à-dire qu'ils reprennent l'hérésie du père Finet dans les années 50, qui niait ce qu'on appelle le baptême de désir. Voilà. Et il a été excommunié par Pie XII à l'époque. Qu'est-ce que le baptême de désir ? C'est le fait que un catéchumène qui n'a pas reçu formellement le baptême, il est considéré, voilà. il peut être retrouvé par son baptême de désir. Et il y a même des saints de l'Église catholique qui ont été catéchumènes, vous voyez. Quand ils disent de plus de Galle 4, c'est vrai, mais c'est une secte, et donc j'invite les gens à ne pas voir leurs vidéos parce qu'ils professent des hérésies par ailleurs. Voilà. Donc non. C'est Léon XIII stigmatisait dans son encyclique Satis Cognitum. Il nous disait que les hérésies qui nient moins de dogmes sont plus dangereuses que celles qui en nient plus, parce qu'on les voit moins, et parce que quand le mal est moins visible, il est plus dangereux. Et il évoquait la goutte de venin. Voilà, et ben là, c'est une goutte de venin. Voilà. Bon, donc, mais bon, essayez de poser des questions plus ou moins en rapport avec le sujet, chers amis, si c'est pas trop important. Anathème, là, nous répondons anathème. Voilà, anathème, oui, exactement. Anathème. Clément Gonfroy demande si vous comptez faire une émission à propos de l'imposition en France. Je suis pas spécialiste. Moi, je pourrais faire une émission sur l'imposition en France, mais bon, je veux pas la faire tout seul. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui se serait intéressé au sujet. Et puis, il faut être carré techniquement, quoi. Voilà, il faut être carré techniquement. Mais en tout état de cause, c'est un vrai sujet important. Où dans l'histoire, dans l'humanité, en tout cas, a-t-on payé autant d'impôts qu'en France ? Pas très souvent, même en Suède, on n'a pas atteint le degré. En tout cas, on a explosé l'Union soviétique. Le prélèvement obligatoire. Valéador, je ne sais pas comment ça se prononce. On peut dire Chang alors aussi. Oui. Non, Chang, c'est pour les Chinois. Il demande si vous connaissez le jeu de mots célèbre fait au moment du décès de Félix Faure. Henri de Lesquin l'a dit. Mais il est monsieur, au début de l'émission. Il est pris en flagrant délit de retard dans le millénaire. Je peut-être le début de l'émission. Alors je rappelle cet excellent jeu de mots. Georges Clemenceau a dit il a voulu être César, il voulait être César, il est mort Pompée. Voilà, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Personne ne comprend. Voilà. On le connaît, mais bon. À Radio Athéna, il n'y a que des auditeurs. On sait que César et Pompée se sont combattus et que César l'a emporté sur voilà. Pompée. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'était un souvenir de l'histoire romaine. C'est un peu comme Marius et Marc-Antoine. Voilà. Test Streaming demande si Candole est un synonyme de Candide. Alors Test Streaming, d'abord, cher monsieur, cher ami, vous devriez traduire votre nom, qui est un peu anglais, hein, votre pseudonyme. Alors, le Candole n'a rien à voir. Non, Candole, alors C-N-D-U-L-E,
c'est un mot que j'ai inventé en 2018 ou 2017 pour traduire l'anglais cake, C-U-C-K, qui veut dire cuckold, ça veut dire cocu, mais le terme cuck est employé dans l'argot américain, dans les vidéos pornographiques. Et le cuck, c'est l'homme qui regarde sa femme s'ébattre avec un autre homme. Bon. Ce qui est assez répugnant. Oui. Ce vice s'appelle le candolisme en termes psychiatriques. D'après le roi Candole, qui devait être un roi de Phrygie, selon l'histoire ou la légende grecque, qui avait une femme d'une beauté admirable, et qui a voulu montrer sa femme au chef de sa garde, qui s'appelait Gyges ou Gyges, G-Y-G-E-S, c'est celui de l'anneau de Gyges. Hein. Regardez les ébats de Gyges ou de Gyges avec sa femme. Donc, par antonomase, pour employer un mot savant, j'ai fait de ce nom propre, Candole, un nom commun. Antonomase, c'est quand on dit un Hercule, un Amator, etc. Ce sont des antonomases, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Donc le Candole, je suis passé donc de l'anglais au français et de la mythologie et de la pornographie à la mythologie, ce qui me paraît un net progrès. Donc le Candole, par définition, dans les deux domaines, c'est un homme classé à droite qui est soumis au cosmopolitiquement correct. Et ça se traduit par le fait qu'il il dénonce régulièrement avec des accents d'indignation ce qui est plus à droite que lui, en le qualifiant d'extrême droite. Et les Candoles sont malheureusement très nombreux. Il faut les dénoncer comme Candoles. Donc, ne pas confondre Candole et cosmopolite. Le cosmopolite, c'est un homme de gauche. Revendiqué, oui. Qui n'est pas collectiviste. Revendiqué. Le Candole, c'est un homme qui se fait passer pour un homme de droite. Donc, c'est un crypto-gauchiste, en quelque sorte. Alors, c'est pas forcément vrai. Il peut être au fond plus ou moins à droite, mais par lâcheté. Il tape sur des gens plus à droite que lui pour se faire bien voir dans son désir désespéré d'être bien vu par la gauche. Hein. Voilà ce que c'est qu'un Candole, et c'est un terme à employer systématiquement parce que c'est politiquement important d'employer pour faire comprendre, c'est un concept important. Hein. Stéphane Michel demande ce que vous pensez de l'échange entre Macron et la descendante de Dreyfus. Je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant non plus. Je suis vaguement au courant, ça m'a pas frappé. Bon, Macron a dit des sottises habituelles sur le malheureux. Oui, attendez, je crois quand même que Macron a eu le projet, je pense que le projet n'est pas encore abouti. De faire nommer Dreyfus général. Oui, tout à fait, ils avaient dit ça en 2018. À titre posthume. Alors, je ne sais pas où Dreyfus est enterré, mais est-ce qu'on n'a pas voulu le transporter question, au Panthéon ça, oui, alors. Alors, à une époque, il y avait été question de ça, et bon, c'est Badinter en l'occurrence qui ne voulait pas, parce qu'il disait que Dreyfus, c'était une victime, mais pas un héros. Voilà, donc bon. En l'occurrence, c'était pas non plus une victime, mais bon, bref. Mais comme quoi, mon cher Edesquin. Ni une victime, ni un héros, c'est un traître. Hein. Comme quoi, c'est un sujet très présent. Ah, tout à fait. Oui. Très contemporain. Tout à fait. C'est un mythe fondateur, si je puis dire, dans lequel nous sommes alors, en train de vivre. Il faut absolument comprendre que Dreyfus était vraiment coupable. La culpabilité de Dreyfus est un fait objectif, pas une question de valeur. Est-ce que oui ou non, il a trahi en donnant des documents, à l'ennemi allemand, enfin à l'Allemagne, qui avait été l'ennemi, qui devait l'être. Ennemi potentiel, oui. Vous dites que c'est. Et donc. Le premier livre de Adrien Abosy sur l'affaire Dreyfus, c'est une démonstration implacable, impeccable, du fait que Dreyfus était coupable. Bon. Et là, même si on n'a pas lu le premier livre, il apporte tellement d'éléments que c'est évident que Dreyfus était coupable. Voilà. C'est évident. On a la dépêche de Pesta... Panizzardi. Mais... je pense qu'un très bon argument sur lequel vous revenez dans ce livre, ce sont les aveux de Dreyfus. Il a avoué, ce qui en l'occurrence démontre sa culpabilité. Et puis alors, rappelons quand même, vous le répétez, mais c'est quand même extraordinaire, l'histoire de la dictée. Parce que comme il était soupçonné d'être l'auteur du bordereau, on voulait vérifier que c'était bien son écriture.
Et donc, on l'a fait venir au ministère de la Guerre, pour je ne sais quel prétexte, et on lui a dicté un texte, qui au début était anodin, et qui ensuite reprenait les formules du fameux bordereau. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Dreyfus, évidemment, comme il était coupable, il a compris, il était l'auteur du bordereau, donc il a compris qu'on voulait le piéger, et donc il a modifié son écriture au moment où on rentrait dans le texte du bordereau. Et il a avoué, son avocat l'a reconnu, il l'a reconnu ensuite, qu'il avait effectivement modifié son écriture. L'avocat dit oui, c'est parce qu'il avait les mains gelées, les mains froides, alors c'est pour ça que son écriture était devenue différente. Alors, je veux dire, c'est une donc preuve... la main est devenue froide pendant qu'il écrit. Non, c'est une preuve accablante. Est-ce que vous me permettez de lire justement dans l'interrogatoire de Dreyfus ce qu'il dit dans le procès de Rennes ? Le président dit ceci. Procès de Rennes. Ouais. Le président d'audience dit ceci. Donc, il vous a fait écrire une lettre commençant par des choses insignifiantes, puis à un moment donné, il vous a dicté, ou à peu près, le contenu du bordereau. Le commencement de cette lettre est de votre écriture ordinaire, mais à partir de l'endroit où on parle du canon de 120 cours, votre écriture change de caractère. Elle est moins nette et moins ferme. Dreyfus dit, alors en plus le mec qui se contredit d'une seconde à l'autre, « Elle n'a jamais changé, mon colonel. » Le président poursuit. « Lorsqu'on jette un coup d'œil sur cette lettre dont voici une photographie, on constate facilement... que l'écriture, depuis le mot « une note sur le frein hydraulique » jusqu'à la fin, est beaucoup plus grande et plus large qu'au commencement. Il montre la photo à Dreyfus. Dreyfus dit « l'écriture est plus large, mon colonel. » Et son avocat l'a reconnu. Mais 10 secondes avant, tu dis le contraire, mon coco. Et on aimerait savoir. Non, mais c'est évident, quoi. Bon, et puis l'avocat, on dira que c'est même indiscutable, le changement d'écriture. Il emploie le mot « indiscutable ». Comment les Dreyfusards peuvent-ils contester la culpabilité de Dreyfus devant une telle preuve ? Parce que s'il a changé d'écriture, c'est bien qu'il se savait coupable. Et s'il a changé d'écriture, au moment où on commence à lui parler de ce qui est suspect, c'est-à-dire le canon de je ne sais quoi, de 120, c'est bien qu'il était l'auteur du bordereau. Enfin, je veux dire, vraiment, comment peut-on nier l'évidence, hein ? Alors, j'aimerais aussi, j'ai oublié de le dire, je suis désolé, pendant la dépêche Panizzardi, il y avait un agent français qui était à l'ambassade d'Italie. Il y avait un Français, un agent français à l'ambassade d'Italie. Pas un Français, ça devait être un Italien. Vous allez voir. Le jour où on a appris, un agent français. Alors, qui, vous avez l'air qu'il était français. Oui. Le jour où on a appris l'arrestation de Dreyfus. Et il nous dit que ça a causé ici, donc ça cause ici un peu d'émotion. Et il nous dit que le Panizzardi était tout bouleversé. Est-ce que vous êtes Henri de Lesquin bouleversé quand vous apprenez l'arrestation de quelqu'un que vous connaissez pas ? Et il nous dit l'ambassadeur tient sans doute à ce que j'ignore. L'arrestation de Sarkozy, ça va pas me bouleverser. Voilà. Hein. L'ambassadeur tient sans doute à ce que j'ignore la trahison de Dreyfus, car depuis hier, il cache soigneusement ses journaux, etc. Voilà. Alors, il faut savoir que l'ambassade d'Italie était en relation avec l'ambassade d'Allemagne, que l'attaché militaire italien était en correspondance avec... comment il s'appelait, Schwarzkoppen. Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand. Et notamment qu'ils étaient, étaient amants, les deux. Hein, les deux en plus, ils étaient homosexuels amants. Ouais, avec des correspondances assez ignobles, d'ailleurs. Hein. Bon, enfin, n'entrons pas dans les détails. Mais donc, il y avait des relations étroites, professionnelles, politiques, mais aussi sexuelles. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que l'affaire Dreyfus était un mythe fondateur, Pierre Adema, à ce sujet, vous demande comment l'affaire Dreyfus a modifié les positions politiques de la droite française. Elle n'a pas modifié à proprement les positions politiques. Elle a éteint socialement, elle a réduit l'influence sociale du catholicisme en France. Donc en fait, ça a été un accélérateur de particules révolutionnaires, puisqu'elle a contribué à vider la droite de sa substance. Voilà. Et au final, on a... Alors, pour moi, l'attitude de la droite a été stratégiquement mauvaise. Pourquoi ? Parce que l'affaire Dreyfus, au départ, est simple, mais les Dreyfusards ont réussi à la complexifier d'une façon incroyable. Bon. Si bien que l'homme de la rue, l'homme ordinaire, pouvait difficilement se faire une opinion définitive sur le sujet, tellement il y avait d'opinions contradictoires qui étaient énoncées et de contradictions dans tous sens. Or, le principe auquel tout le monde est attaché, c'est que le doute doit bénéficier à l'accusé. Bon. Dès lors qu'on avait réussi à jeter le doute sur la culpabilité de Dreyfus, à tort, en somme convaincu, mais dans l'opinion du public, forcément, on ne devait pas vouloir s'enflammer pour la condamnation de Dreyfus.
Donc la droite aurait dû dire, écoutez, c'est une question. Elle n'aurait pas dû rentrer dans le jeu de la gauche, dire c'est l'honneur de l'armée qui est en cause, etc. Non, c'est une question purement factuelle. Et d'ailleurs, certains comme Cavaignac l'ont dit, hein, c'est purement factuel, il ne faut pas s'enflammer pour le sujet, il faut simplement laisser la justice faire son travail et empêcher l'intoxication sur ce point sans s'enflammer, sans dire c'est la France qui va s'effrayer. Et donc, d'une certaine manière, la droite s'est laissée complètement piégée par la gauche. Enfin, par la gauche, refusarde. Ils ont été fourbes et malheureusement intelligents. Ah oui. En matière stratégique, la gauche est bien meilleure que la droite en général, pas toujours, mais souvent. La plupart du temps, il faut dire. Mais il y a une raison pour. La droite reprenant en général, d'ailleurs, le vocabulaire de la gauche. Je vais donner un exemple dans un exposé récent. On dit les gens de droite disent migrants. Mais non, il faut dire immigrés ou envahisseurs. Envahisseurs. Migrant, migrant en anglais, c'est un mot qui a été lancé pour changer le regard sur l'immigration. Parce qu'un migrant, c'est un individu qui, au fond, utilise sa liberté d'aller et de venir, qui circule sur le. Oui, et puis il va se poser quelque part, il faut être très cruel pour l'empêcher de se poser. Et puis surtout, ça implique qu'il ne reste pas, puisqu'il est migrant. Voilà, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Envahisseur, il reste. Il est migrant. Donc les gens de droite ne devraient jamais dire migrant. Migrant qui est un néologisme emprunté à l'anglais migrant. Hein. Avant 1960, on ne disait jamais migrant. On disait immigré, à la rigueur immigrant, bien que ce soit plus rare. Et il faut dire aussi envahisseur. Envahisseur, moi je veux dire, c'est un bon terme. Oui, tout à fait. C'est le terme le plus adéquat, me semble-t-il. Oui. Nous remercions Léo 100200 qui merci, nous merci offre. Léo 100200. Qui nous fait 100200, si vous voulez. C'est un chiffre. 100200. C'est le chiffre 100 et le chiffre 200. Ça fait 100200. C'est 100 que multiplie 200, c'est comme 20 000 ânes dans un pré et 120 dans l'autre, c'est ça? Non? Là, on est dépassé là. À cette heure-là. Combien ça fait d'oreilles? Hein, un certain nombre. Voilà, 5 euros, il nous donne 5 euros, donc merci. Il commente le talentueux Louis Ferdinand Céline a dit: Napoléon a su conquérir la France, mais Dreyfus a su la garder. Qu'en pensez-vous? Complotisme? Alors moi, je vais faire ma prochaine émission sur Napoléon, chers amis. J'espère que vous en direz du mal. Ah oui. Pour moi, c'est une catastrophe pour la France, Napoléon. C'est une catastrophe. Alors j'ai le projet de faire soit une vidéo, soit une émission sur le thème dont le titre est déjà trouvé. Napoléon, génie de la propagande, catastrophe pour la France. Oui, je suis d'accord. Et alors lisez peut-être pour votre future émission le petit livre de Maurras sur Napoléon, qui est un recueil d'articles. D'accord. Publié par notre ami Jonathan Sturel à la Délégation des siècles. C'est donné, je crois que c'est 10 euros ou 9 euros, enfin vraiment... beaucoup moins que ça. C'est 6 euros. Enfin, c'est vraiment. Pierre-Thiron se réveille. Et c'est remarquable. Merci Pierre-Thiron. C'est remarquable. Et Maurras a nettement remonté dans mon estime depuis que j'ai lu ça. Alors il n'essaye pas. Il écrivait bien lui aussi. Mais là surtout, il y a des formules percutantes. Toutes les pages, des formules percutantes. Et puis il a trouvé des citations de Napoléon qui sont vraiment accablantes. Napoléon, d'ailleurs, sur le code civil, il écrit à son frère, je sais plus si c'était Joseph ou Jérôme, qui était roi d'Italie, pour lui dire qu'il faut imposer le code civil parce que ça va détruire les traditions. Ah, non, mais lisez ça, c'est vraiment... Mais moi, j'impute au code civil, c'est l'une des causes de la chute de la démographie en France. Bah, bien sûr. À cause des systèmes d'héritage qui fait que les gens n'ont plus voulu faire d'enfants. Bon, après, ça ne justifie rien. Les paysans ne voulaient pas que leur terre fût partagée. Ils ne pouvaient pas la laisser soit à leur aîné, soit au plus capable. Et donc, il avait qu'un fils. Quoi. Dès qu'il avait un garçon, il s'arrêtait d'avoir un enfant. Donc, Napoléon était... Mais, alors, une petite parenthèse quand même. C'est un persécuteur de l'Église catholique. Je me suis rendu compte de l'intoxication de la propagande napoléonienne et bonapartiste. En écoutant une émission de l'excellent historien Thierry Lenz, qui n'est certes pas aussi à Napoléon, c'était à Radio Courtoisie, et il parlait de la campagne d'Italie. Alors la campagne d'Italie, c'est extraordinaire. Ça joue un rôle de gloire dans la propagande napoléonienne. Or la campagne d'Italie est une catastrophe. Certes, au début, Napoléon, Bonaparte à l'époque, a emporté des succès. Il a fait des grandes déclarations sur du haut de ses pyramides. Combien, 30 ou 40 siècles 40 siècles vous contemple. Il a ramené Champollion qui a déchiffré la pierre de Rosette. Ça, c'est très bien. Mais ça a été une catastrophe. D'abord, par sa faute, la flotte française a été détruite à Aboukir parce qu'il n'a pas laissé suffisamment d'hommes à l'amiral.
Et ensuite, à Saint-Jean d'Acre, il a son siège a échoué. Saint-Jean d'Acre était tenu par les Turcs, bien sûr. Il était obligé de lever le siège, mais il a laissé les blessés derrière lui, dans des monastères. Et évidemment, dès qu'il est parti, les Turcs sont sortis, ils ont égorgé les blessés français. Bon, la honte. Et la honte suprême, c'est qu'il a abandonné son armée. Oui, oui, tout à fait. Et que tout s'est fini par une catastrophe complète, l'armée française a été capturée par les Anglais. C'est ça la campagne d'Italie. La campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte. La campagne d'Italie, c'est autre chose. La campagne d'Égypte. Catastrophe. Bon. Oui, catastrophe. On peut ajouter le fait qu'il a abandonné aussi son armée en Russie. Et même, alors, attendez, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, il a réussi à se faire battre par les Congoïdes de Haïti. Il faut quand même le faire, hein, franchement. Et c'était un grand persécuteur de l'Église, et notamment de Pie VII. Je le dis en passant. Ouais, non, mais bon. Il accumule toutes les casseroles. Alors, d'ailleurs, bizarrement, Maurras ne rappelle même pas l'assassinat du duc d'Anglin. Vous voyez, oui. Vous savez, il y a le très bon film avec. Claude Chabrol et j'ai oublié son nom. Je crois pas que le dîner. Vous parlez pas du film de Ridley Scott que je n'ai pas encore vu. Non, je l'ai pas encore vu. Non, c'est le dîner. Il raconte des histoires de cul à propos de Napoléon. C'est un peu réducteur. Comment il s'appelait Claude Rich, non? Claude Rich, un acteur excellent. Voilà, donc le dîner. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non, je. C'est Claude Rich qui fait Talleyrand et Chabrol qui fait Fouché. C'est remarquable. Et à un moment donné, Talleyrand dit à Fouché qu'en gros c'est une crapule, etc., ce qui n'était pas faux. Et Fouché lui dit, mais attendez, mais derrière vous, là, ce que je vois, c'est pas un tableau du duc d'Enghien, parce que Talleyrand a soufflé dans l'oreille de Napoléon qu'il fallait voilà. Et d'ailleurs, dans son testament, Napoléon a semblé-t-il regretter d'avoir... Bon, écoutez, nous allons nous arrêter là pour les messages, peut-être. Hein. Oui. Une dernière question. Quelle était la position de Pétain sur Dreyfus? Très vite. Alors, il paraît qu'il pensait qu'il n'était pas coupable. Voilà, mais comme la plupart des gens, c'est parce qu'il n'a pas lu le dossier. Oui, mais le dossier est complexe. Alors, chers amis, je vous invite d'abord à regarder le portail national libéral, le site que nous devons à Pierre de Tirmont, que je félicite, qui vous montre la présence internationale du national-libéralisme, plus qu'en France, hein. Plus qu'en France, puisqu'en France, le Rassemblement national est certes national, mais il n'est plus libéral. Quant au parti Reconquête de Zemmour, qui veut porter à la tête de l'État un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français, on ne peut pas dire qu'il soit national. Bon. Donc il n'y a pas de parti national libéral en France. En revanche, il y en a dans le monde entier. Et récemment, donc, nous avons... alors, je ne sais pas s'il l'est déjà mis sur le site, Geert Wilders. Geert Wilders. Ah, non. Il y a Thierry Baudet, mais il n'y a pas... Non, mais il faut rajouter Geert Wilders. Ouais. Qui vient de remporter un beau succès aux Pays-Bas. Et ce Geert Wilders est parfait. Bon, alors il paraît qu'il est un peu partisan du mariage homosexuel, mais à part ça, il est vraiment excellent. Quoi. Bon, il est national-libéral, il est contre l'Union européenne, il est pour le Nexit. Oui, d'accord. Nexit, oui. C'est l'équivalent du Frexit ou du Brexit. Parce que les Pays-Bas, ça se dit Néerlande en néerlandais, donc le N donne Brexit. Ouais, écoutez, on jugera sur pièce, s'il le fait vraiment, parce que ça serait étonnant tout de même. Non, je crois qu'il ne pourra pas le faire, parce qu'il a 25% des sièges, il a besoin d'une coalition, et puis surtout, s'il le fait, l'Union chute, puisque les Pays-Bas sont des contributeurs importants. Ça serait excellent. Mais en tout cas, il est pro-russe, il est climato-sceptique, il est vraiment excellent, quoi. Bon, regardez le portail national libéral, c'est national libéral. Oui, le lien est dans la description. National-libéral.com. National-libéral.com. Faites des dons multiples et variés et fréquents à Radio Athéna, parce que nous avons besoin d'argent pour vivre, pas nous personnellement, nous sommes bénévoles, mais pour faire vivre pour que notre radio, notre mouvement fonctionne, il nous faut des dons aussi généreux que possible et les plus fréquents que possible. Nous remercions Léo 100200 qui nous a donné 2 euros à l'instant. Merci mon cher Léo. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il me reste à remercier donc Pierre de Tirmont qui a réalisé l'émission, Patrick Quételon qui a posé les questions, et bien sûr Adrien Abosi. Et moi je vous remercie pour votre invitation. Lisez le livre, sur le troisième livre sur l'affaire Dreyfus, qui s'appelle cette fois-ci L'affaire Dreyfus, mort mystérieuse et autres crimes. Ça se lit comme un roman policier, sauf que c'est un roman policier qui est dans la réalité. Oui, c'est vrai. Donc c'est extraordinaire. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci à tous. À bientôt. Micro coupé. Caméra coupée.
Ah, au micro.